La casette jusqu'au bout. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir, victoire de l'Olympique Lyonnais 3-0. Depuis 2021, on n'avait pas respiré comme ça pendant un match. Genre, il n'y avait pas trop de pression, on a même eu le droit à un splendide coup franc de notre capitaine Memphis Depay en pleine lucarne. Alors, faudra trouver la stat, mais je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un coup franc direct de marqué à l'OL. Fekir 2019. Bonjour à tous. Bonsoir. Deux ans. C'était Memphis même. 27 février 2019 contre Caen. C'était le dernier coup franc direct qu'on a marqué. J'ai vu Fekir sur Twitter. Donc le gars qui donnait la stat s'est peut-être trompé. Mais... Et merci pour le follow en Anxito. Merci beaucoup. T'as follow pendant avant qu'on arrive. C'est tweeté, donc normalement c'est fiable, non? Bon, peu importe. Salut Reizo, salut Olivinho. Bienvenue salut, à tous. Le fameux salut, salut. Le fameux salut, salut. La spécialité de notre Ferrandinho. tu veux une pub dès l'arrivée, toi? En vrai, c'est carrément devenu plutôt votre spécialité que la mienne. Parce que moi, je l'ai dit une fois. Hein. En fait, c'est un running gag pour te troller, en fait. C'est-à-dire que tu l'as dit une fois, pensant que... Mais non, en fait, on te lâchera jamais, en fait. Oh, ça me dérange pas, en vrai. Hein. Salut Polydor, ouais, comme tu dis, hein, les 100 follows ce soir, c'est possible. Hein. On est à 93 follows sur 100. Alors, ramenez vos potes, là. Ramenez vos potes, exactement. Ramenez vos potes, bah, ramenez vos ex, ramenez vos parents, Rezo, si t'as trop de points, utilisez-les. Hein. Utilisez-les, hein. Tu peux suggérer, genre, t'as des sondages, t'as plein de choses. Tu peux spammer les pubs aussi si tu veux embêter un peu tout le monde. Du coup, c'est quoi là, ça a lancé une pub Salut le... Becca. Yes, bah c'est en gros, c'est Rezo qui a utilisé ses points pour lancer une pub, hein, que j'ai validé évidemment sur le dashboard. Et du coup, je comprends plus là, qu'est-ce qui se passe là? De quoi? Le dernier magnifique. Le dernier message est exceptionnel. Je pense que le potentiel comique là est absolument incroyable. Oh mais Polydor, mais c'est masterclass sur masterclass ça. Genre c'est en fait c'est aussi dramatique qu'humoristique. Genre là franchement c'est le combo. Juste t'inquiète. On devrait normalement s'en sortir sans. Mais merci de ta proposition. Ne te donne pas cette peine. Voilà, c'est ça. T'inquiète pas. Excellent en tout cas. Voilà. Qu'avez-vous pensé du match dans le chat? Est-ce que vous avez plus apprécié ce genre de match que le dernier qu'on a pu faire contre c'était contre Bordeaux? Dijon, pardon. Pardon, bah les mêmes, enfin les deux étaient un peu chiants. honnêtement, je l'avais dit, contre Dijon, j'ai eu, allez quoi, 3 minutes où j'ai eu un blackout, c'est-à-dire où je me suis endormi un petit peu et je me suis plus rappelé de ce qui s'est passé, quoi. Ah bah là, moi c'est... Je sais pas si c'est parce que le match était un petit peu plus tôt ou si parce que il était moins chiant, mais je me suis pas endormi cette fois, let's go. Ouais, non mais l'horaire doit jouer aussi, hein, honnêtement. Ouais, l'horaire doit beaucoup jouer, ouais. Bah si tu t'endors à 19h quand même... Bah c'est que t'as fait une bonne journée ou...
Et au passage, là, je vois la stat passer, 9e clean sheet de la saison. 9e sur 24 matchs ? 23. Ouais. 23 ? Ce qui est tout à fait respectable. Attends, 24 matchs, même. 24. Yes. 24. Ouais, bah ça fait, yes, ça fait une moyenne sympa, en vrai. En Xito, c'est, je crois que c'est pas 100% des personnes qui ont... Qui ont la pub. Déjà, les subs n'ont pas la pub, et ensuite, parmi les non-subs, il y en a juste, je sais pas, la moitié ou un truc du genre. Il y a personne qui a vu la pub. Quoi. Ouais, c'est ça, du coup, ça fait quoi? Ça fait 1 centime de dollar, du coup, même pas 1 centime d'euro, enfin. Hein. D'ailleurs, en plus du clean sheet, on en parle peu, mais l'OL, cette saison, seulement 20 buts encaissés en Ligue 1, c'est plutôt, plutôt bon, en fait. Hein. Et comparé aux autres saisons, c'est combien? Enfin, c'est mieux. Mieux, forcément, vu qu'on a fait En fait, sous Genesio, ça m'avait vraiment marqué, on était sur une moyenne d'un but par match encaissé, à peu près. C'est-à-dire que tous les matchs, on les gagnait par un but d'écart ou deux buts d'écart, mais c'était jamais 2-0 ou 1-0. C'était toujours genre 4-2, 4-3, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de buts encaissés sous Genesio. Là, honnêtement, je crois que c'est d'ailleurs depuis que Garcia est arrivé à Lyon, on encaisse vraiment... beaucoup moins de buts. Non, parce que sous Silvinho... Ouais, si t'as raison. Sous Silvinho aussi, on encaissait très peu. Et Polidor qui met dans le chat 33 buts sur 50 en Ligue 1 ont été marqués par la triplette de devant, donc. Et Kambi, Kalewere et évidemment Memphis Depay. Ce soir, Memphis, patron, honnêtement. Oh, Grandé. Ouais. Grandé. En fait, il a écouté en fait le live football de la semaine dernière. Il a dit, oh alors là, hop, je note, ok. Et ben, soir, masterclass, vous l'aurez voulu, tu vois. Mais je pense que même, il y a eu plus que Memphis, parce qu'il y a eu quand même Aouar qui s'est bien réveillé. Ouais, ouais. T'as Paqueta aussi qui est revenu un peu d'entre les morts. Il a mis un mois à peu près à revenir du réveillon, tu vois. Et après, par contre, t'as Cornet qui est resté un petit peu dans son enchaînement de matchs miséreux. Et non, mais Aouar, vraiment. J'étais en mode, quand est-ce qu'il allait revenir? Bah, c'était aujourd'hui et il a fait un super match, j'ai trouvé. Bah, déjà, on avait vu du mieux dans le collectif pour avoir il y a 3 jours. C'était un petit peu le seul qui avait su créer quelques bons mouvements, notamment en première mi-temps, alors que l'équipe était globalement catastrophique collectivement. Et là, c'est vrai que ce soir, il a fait un bon travail. Je pense qu'on y reviendra plus longuement tout à l'heure quand on parlera des cas spécifiques des joueurs, mais c'est vrai qu'il a fait un bon taf, et même je trouve dans l'implication c'est presque un symbole, la passe décisive qu'il adresse à Memphis, parce que c'est cette passe décisive, il l'a fait grâce à une implication et un pressing dur sur l'homme qu'on lui voit pas toujours faire, donc ouais, c'est très sympa. Exactement, le premier but, c'est une récupération d'Aouar sur un pressing qui met une merveilleuse passe en profondeur pour Memphis qui croise sa frappe et but. Enfin, c'est un but du duo qui était plus trop existant ces derniers temps. Et comme tu dis, en première de Da Silva, ça fait plaisir de voir des petits gones sur le terrain. En vrai, il y en avait pas mal, hein, sur le terrain du centre de formation. T'as eu Cherki et Da Silva qui sont rentrés sur la fin. T'avais Lopez et Aouar qui ont démarré. 4. Et qui d'autre? C'est tout à peu près. Ouais. Ok. Bon, 4. 4, bah 4, c'est à peu près ce qu'on avait, je crois, sous Genesio. Si je dis pas de bêtises, parce qu'on avait Ghezal, Gonalon, Aouar. Lacazette, Fekir. Lopez, c'était vraiment l'époque. Plus, c'était l'époque où, genre, t'avais limite un 11 type du centre de formation. Umtiti aussi, donc ouais. En fait, ça a fait une courbe. Ça a fait une courbe, c'est-à-dire qu'à l'époque des années Fast, en fait, 2007 à peu près, il y avait, je crois, 3 ou 4 joueurs du centre de formation. Il y avait Benzema, quoi. Dans l'équipe type. Mmh. Voilà, il y avait vraiment très peu de joueurs, parce qu'en fait, les années où il y a eu les 7 titres d'affilée, c'était plus, on va dire, une combinaison des meilleurs joueurs de Ligue 1 pris à d'autres clubs qu'on associait à Benzema, Govou, Malouda et d'autres. Les priorités d'investissement, elles n'étaient pas sur le centre de formation à l'époque non plus, donc ça se justifiait en tout cas.
C'est ça. D'ailleurs, j'ai dit Malouda, mais pas Malouda du tout. Hein. C'est non, non, pas, Malouda, pas, c'est... Il n'est pas formé à Lyon. Ouais, ouais, je me suis trompé. Mais... Et du coup, oui, et ensuite, à partir de 2010 à peu près, avec le stade et tout ça, tous les trucs associés, t'as eu on va dire une résurgence du centre de formation avec Sourémi Garde, je crois qu'il y avait genre 6 joueurs parfois dans le 11, même plus, qui étaient formés au club. Sous Fournier, ensuite, 2014-2015, par là, pareil, il y avait beaucoup de joueurs, notamment quand il y avait Ferry, Fekir, Lacazette, Gonalon, Umtiti, Lopez, il y en avait au moins 5 ou 6, pareil. Voilà, et là, à l'inverse, maintenant que tous les tracas sont derrière nous, bah, on note quand même qu'il y a moins de joueurs formés au club dans le 11 de départ, même s'il y en a toujours autant dans l'effectif. Et Polydor qui nous dit que là, cette saison, journée égale, J24, c'est pareil que la saison 2006-2007. On n'a pas fait mieux entre 2006-2007 et 2021. Pour vous réalisiez quand même l'ampleur des performances de l'équipe en ce moment. Et d'ailleurs, c'est... Je crois que Garcia, j'ai vu la stat passer récemment, Garcia, je crois qu'en termes de moyenne de points par match, est troisième, je crois, dans l'histoire de l'OL. Ça a peut-être évolué avec la victoire de ce soir, mais il était pas loin de je sais plus qui d'ailleurs, qui est deuxième, je sais que Ouillet est numéro 1. Après, pour relativiser aussi, il a eu quand même une limite, une demi-saison de blanc, avec l'arrêt du Covid, donc pour deux ans. Il s'en est plutôt bien tiré, même s'il a commencé dans le dur. On va pas se le cacher. Ouais. C'est ça. Olivinho qui a sorti la liste complète. Hein. Lopez, Umtiti, Gonalon, Ferry, Malbranc, Grenier, voilà, Lacazette, Fekir, voilà. Je savais qu'il y en avait un autre à l'époque aussi que j'avais oublié, mais oui. Il y avait Yatara. Et encore, t'en as oublié. Hein. Alors lui, carrément, je l'ai oublié. Je l'ai rayé de mon esprit. T'en as oublié. Hein. T'as fait un 11 complet là ou il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque 2. T'aurais pu quand même les chercher. Il manque des défenseurs. On n'a jamais formé de défenseurs. À part Umtiti. Umtiti, c'est l'exception qui confirme la règle, en fait, malheureusement. Non, Benzia, non, on le compte plus. Benzia, il est à Dijon maintenant. Non, Benzia, il est nulle part. Ok. Là, il est nulle part. Benzia, Rémi, c'est rayé de. Rémi, je connais pas. Hein. Voilà. Je connais pas. Loïc, Rémi. Ça, c'est ces deux-là, c'est au revoir. Ouais. Ghezal, moi, ça me gêne moins. Genre. Ouais. Enfin, Ghezal, il est parti à la fin de son contrat, quoi. Il avait le droit. Il joue genre, moi, je vois d'ailleurs pas Ghezal maintenant. Il est pas en Grèce ? Il est. D2 italienne, un truc comme ça. Il est à Beşiktaş. Ok, bon, je dis de la merde. Il est milieu de terrain au Beşiktaş. Et il joue, hein. Il est à 15 matchs. 15 matchs dans la saison. Donc sa carrière à Rachid Ghezal, j'ai l'impression que c'est une Banter era un peu, c'est-à-dire qu'il fait Lyon, puis Monaco, mais ça réussit pas, Leicester ça réussit pas non plus, petite pige à la Fiorentina ça fait pareil, puis Beşiktaş, ouais, c'est une longue descente aux enfers un petit peu. C'est comme Balotelli. Genre là son prochain club c'est Saint-Etienne et puis la carrière de Balotelli tu la prends dans le sens inverse, c'est une masterclass. C'est Nasri, c'est ça aussi. Ouais, Nasri un peu commence différent quand même, City, parce qu'il y a Arsenal et City, donc... Oui, au tout début. C'est ses premiers clubs, et après, à chaque fois, il baisse dans le standard. Oh, Marseille vers Arsenal, quand même, ça va. C'est honorable, on va dire. Il a quand même alors que petits clubs. Balotelli, c'est vraiment genre... Oui, Balotelli, après, il a enchaîné des clubs... Il est en série B, non ? Je sais même pas s'il a un club là, je crois qu'il est en club. On va regarder après. Alors Rachid Ghezal, ouais, il était à Leicester du coup, il a enchaîné les prêts à la Fiorentina et au Beşiktaş. Ok, il a fait un prêt au Beşiktaş et ensuite il a... Attends, que je... Non, il est toujours, il appartient toujours à Leicester en fait. Oui, oui, c'est comme Slimani, en gros, il a fait plusieurs... Ghezal a fait plusieurs prêts dans d'autres clubs et au final il a quasiment pas joué à Leicester. C'est un peu comme Slimani qui avait fait plusieurs retours aussi dans d'autres clubs, alors qu'il était toujours sous contrat avec Leicester. Et c'est Monza, le club actuel de Balotelli. Le club de... Yes, c'est ce que je suis en train de regarder. Ah, mince, je l'ai plus. Berlusconi, voilà.
le cavalier. Oui, c'est vrai. Le fameux. Après Marseille, il a fait Brescia. Brescia, je suppose. Ouais, Brescia. Puis sans club. Puis là, il est à Monza, du coup. Monza qui est en... Moi, j'étais resté bloqué sur le sang. Quatrième de série B. Ah non, mais il a, là, Balotelli, il est au fond du saut. Quatrième de série B. Mais je crois, Brescia, il s'était embrouillé avec, des dirigeants du club. Enfin, il a fait une Balotelli, quoi. La classique. T'as Pato aussi dans les mêmes exemples, un peu. Bah bon, on va pas rester sur ça 15 000 ans, mais enfin... les descentes comme ça aux enfers... Le stream a pris un tournant dépressif, là. Ouais, les fins de carrière des joueurs lyonnais. C'est ça, on a listé un peu toutes les banter era récentes. Du coup, 3-0, leader provisoire. On met la pression sur les adversaires, comme la semaine dernière. On sait jamais, hein, demain c'est un Olympico quand même, hein, ça, même si logiquement Marseille est quand même dans le... Honnêtement, j'y crois même pas. Genre Marseille. Dans la tourmente... Ouais, mais hey, Paris, non, mais... ils vont sans Marquinhos et sans Neymar. Neymar qui a une gastro, hein, on le rappelle. Franchement. PSG, je le dis ici, vous pouvez screen, rec, enregistrer tout ce que vous voulez. Le PSG va tabasser Marseille. Je suis navré, hein, mais moi j'aimerais bien que Marseille accroche le nul, voire peut-être même la victoire, mais j'y crois tellement pas. C'est tellement, en fait, ce club est tellement sans dessus dessous. Depuis deux semaines, trois, même plus d'ailleurs, que j'y crois même plus en fait. Tovin qui devrait aller à Milan aussi. Et ça, c'est bon pour tout le monde, hein, parce que Tovin qui va à Milan, ça veut dire que Milan va peut-être pas aller sur Memphis. Alors que c'est le club le plus. Il y avait Dortmund aussi sur Memphis. A beaucoup tourné, ouais, ces trois derniers jours, ils ont parlé un petit peu de Dortmund apparemment. Après Dortmund, j'imagine que ça dépend surtout des départs qu'il va y avoir. Ça marche pas. Bah, Alonso, Sancho, je pense pas que les deux restent l'année prochaine, quoi. Mais oui. Après, je le vois pas jouer sur l'aile droite à la place de Sancho, par exemple. Genre, Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Mais peut-être qu'un départ de Sancho à Dortmund entraînerait une sorte un peu de réorganisation avec peut-être deux neufs, tu vois. Peut-être quelque chose comme ça. Poulidor, t'es en forme hein, ce soir quand même pour les blagues. Hein. C'est masterclass sur masterclass. Hein. Ouais, mais là, il est en roue libre, la Poulidor. Il est en roue libre, roue libre complet. Hein. Ouais. Et donc, écoutez, c'est du premier du championnat. Et puis, on a peut-être les notes, l'équipe ou les X-Goals ou quelque chose. X-Goals, là. Ouais, bah, on peut aller voir les X-Goals et en attendant scruter Twitter du coup. Non, les X-Goals sont pas là justement. Ils sont pas là. Ça va pas tarder à s'actualiser. Comment ça, ils sont pas là? Ah, bah, ils sont pas là. Petit sujet là pour vous faire un peu patienter, messieurs. Oui. Le carton rouge là, un peu. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus? Parce que honnêtement, j'aimerais bien une petite explication un peu officielle parce que j'ai pas trop compris comment on en était arrivé là. Alors pour moi, le jaune. Le premier jaune, hein, celui de la vraie faute, c'est acceptable. Après, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a sûrement eu des mots, quelque chose dont on ne sait pas. Et ça, comme on le dit souvent, c'est un flou qui peut être résolu avec la voix de l'arbitre. Si on pouvait avoir cette voix dans le stream, quoi. C'est bon, les X-Goals sont sortis t'asseoir. Ça marche. Ça pourrait beaucoup aider la compréhension de ce genre de rouge et éviter que t'aies des dizaines de milliers de supporters qui soient en mode l'arbitre a été payé au LFP. Vas-y. Non, vas-y. J'avais quelque chose, c'est un peu sur le ton humoristique évidemment, pour contrer cet argument idiot de OLFP machin, la pleurniche habituelle. Ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'OL ce soir s'est fait flouer, et vous allez me voir venir, dans le sens où on s'est fait piquer du temps additionnel qui aurait pu servir à accroître la différence de but, et je parle vraiment sérieusement, l'OL s'est fait flouer ce soir. J'aurais dû y aller moi, vous aviez tous les deux envie de parler de ça. Hein. Non, c'est franchement scandaleux, c'est un scandale intersidéral ça. Il pourrait y avoir 15-0, qu'il n'y a aucune raison de ne pas mettre de temps additionnel, aucune. On est dans un championnat, là, on n'est pas dans un match à élimination directe, ou je ne sais quel type de match, parce que je suis désolé, mais
dans un championnat qui, en plus, cette année, est à ce point-là serré, ne pas donner de temps additionnel parce qu'on a envie de faire plaisir à une équipe qui est en train de se faire éclater, c'est pas normal. Non, il avait juste pas envie de faire d'arsenal. Si ça se trouve, à la fin du match, à la fin de la saison, on va être deuxième parce qu'on aura un but marqué en moins, et ben c'est pas normal. Parce que ce but marqué en moins, on sait jamais, peut-être qu'il aurait pu arriver dans les 4-5 minutes qui auraient dû être accordées en tout sur ce match. Je rappelle qu'en première mi-temps, il y a une minute de temps additionnel qui a été annoncée par l'arbitre assistant, et l'arbitre central n'a même pas daigné laisser cette minute-là. Et à la fin du match, ils ont même pas fait de temps additionnel, même pas de calcul. Alors qu'il y a eu des buts, alors qu'il y a eu des changements, et alors qu'il y a eu une blessure de Thiago Mendes. Alors, dans quel monde on est là ? Dans ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que, ok, à la fin, il n'y a pas eu de temps additionnel, mais il aurait dû en avoir. Mais en fait, à la fin de la première mi-temps, il devait y avoir quand même une minute de temps additionnel. C'était annoncé, c'était même affiché, mais il n'y en a quand même pas eu. Ça, au bout d'un moment, si l'arbitre ne veut pas, il n'y en aura pas. Hein. C'est Hugo. Hugo Cookster. Ah, mais c'est, bienvenue. Mais c'est la règle, mais enfin, c'est une règle de merde. Je suis désolé, genre, c'est absolument pas normal. En Coupe du Monde en 2018, j'ai adoré, parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais un vrai temps additionnel calculé comme il faut et tout. Parce que là, on parle que du fait qu'ils aient même pas donné de temps additionnel. Mais même le calcul du temps additionnel en Ligue 1 et dans tous les championnats, faudra en reparler. Hein. Parce que les 2-3 minutes à la fin du match, excusez-moi, mais normalement, ça doit toujours être plutôt 5 ou 6 minutes. Hein. Et à la Coupe du Monde 2018, on avait presque à chaque match, chaque rencontre, des 6 minutes de temps additionnel. Et ça devrait être ça, parce que c'est ça, en fait, le temps qu'on perd sur une mi-temps, en gros. Même beaucoup plus. Et à la Coupe du Monde, je sais pas pourquoi, c'était ça qui était bien appliqué comme il faut. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout appliqué dans le foot européen, en tout cas dans les championnats européens. Donc cette règle de à l'appréciation de l'arbitre, moi m'énerve, et la méthode de calcul m'énerve aussi. Mais tu vois, c'est pour ça que je milite, moi, pour un système de temps comme au basket. C'est-à-dire que, par exemple, dès qu'il y a une touche ou un dégagement, hop, une tierce personne sur le banc de touche stoppe le chrono. Comme ça, tu joues 90 minutes sur à chaque fois. Et ça annihilerait toutes ces tentatives, un peu comme pour les joueurs de Retafe, de tout le temps couper le jeu, de faire des fautes, de faire des remplacements, de prendre 800 000 ans pour jouer le moindre 6 mètres, etc., etc. Tu casserais tout ça. Et surtout, t'aurais beaucoup moins de problématiques liées à l'arbitre qui respecterait pas le chrono, etc., qui donnerait pas le temps additionnel qu'il devrait donner, tout ça. Mmh. Avec cette méthode-là, tu supprimes tout ce qui est litigieux. Et je trouve que ce serait vraiment ultra simple à incorporer et beaucoup plus pratique pour tout le monde de s'y retrouver, quoi. Mais complètement d'accord avec toi, c'est mille fois mieux. Ça fonctionne très bien en basket. Ça fonctionne très bien en rugby, je comprends pas pourquoi on fait pas ça en foot aussi. Et en plus de ça, ça éviterait aussi les changements débiles qui prennent 30 secondes dans le temps additionnel parce qu'ils ont envie de faire tomber le temps additionnel. Ça, c'est des changements qui ne devraient pas avoir lieu, selon moi. C'est de l'anti-jeu accepté, mais c'était quand même de l'anti-jeu. Et en somme, l'arbitre assume qu'il a eu pitié pour Strasbourg, plutôt positif pour nous, du coup, pas du tout. L'arbitre n'a pas à avoir pitié de qui que ce soit. L'arbitre n'a pas à avoir d'émotion. L'arbitre, c'est un robot. Voilà. C'est un robot. Il suffit... Ouais. D'ailleurs, je renvoie tout le monde pour regarder le fabuleux documentaire de l'UEFA sur les arbitres. Vous allez sur le site uefa.tv après le live, vous regarderez ça. On est immergé, vraiment, au plus près des arbitres pendant les grands matchs de Champions League de ces dernières années. Et on a du coup ce que les arbitres se disent pendant les matchs. Donc, attends, je vérifie le hors-jeu. Ok, il n'est pas hors-jeu. Par contre, on vérifie un pénalty. Je vous promets, c'est bluffant à regarder. Donc, vous irez voir. Au-delà de ça, je pense vraiment déjà que ça peut être une solution pour être moins frustré d'avoir les commentaires des arbitres comme en rugby. Mais en plus de ça, je suis persuadé que ça peut aussi être vecteur de création de vocation ou quoi, avec des gens qui se disent « Ah ouais, tiens, en fait, c'est vraiment ça d'être arbitre et tout. Maintenant, je vois ce que c'est, je vois ce que ça implique, je vois les réflexions, je vois les machins. » Et genre, je suis persuadé qu'il y a des gens devant leur écran qui se diraient « Ah, mais j'ai envie de faire ça, moi aussi. »
Et le problème, c'est que là, personne devant son écran n'a envie de devenir, devenir arbitre, sachant que, enfin, sachant le traitement qu'ils subissent après chaque match, et sachant à quel point aussi on n'entend pas leur voix, en fait. C'est au sens propre comme au sens figuré, hein. On n'entend pas leur voix et je trouve que c'est très dommage. Ça, genre, en fait, les arbitres, ils doivent être déshumanisés dans la prise de décision, mais pas en tant qu'acteurs sur le terrain. C'est-à-dire que l'arbitre puisse douter, pas de problème, mais que ce doute ou cet état d'âme lui fasse modifier la décision qu'il doit prendre, ça, pour le coup, c'est litigieux, alors qu'à l'inverse, entendre l'arbitre discuter du coup avec ses assistants ou les mecs du camion VAR, qui lui corrige ensuite par exemple une décision ou un truc comme ça, et qu'au final l'arbitre de terrain se rend compte qu'il a pris la mauvaise décision et rectifie, c'est ça qui est important, bah ça, ce serait hyper bien pour la pérennité, on va dire, du foot, et surtout pour éviter à chaque fois dans les journaux ou autres des invectives et des critiques, voire même parfois du complotisme en mode OLFP, tout ça, toutes ces bêtises qu'on entend à longueur d'année. Alors, bah, d'ailleurs, au moment de l'annonce du live, on a fait un tweet sur Twitter. La première réponse qu'on a eue en dessous de l'annonce qu'on a faite, c'est probablement un supporter strasbourgeois frustré qui a écrit, je sais plus, vous parlerez de l'arbitre qui suce la queue à Lyon ou un truc comme ça. Que voulez-vous qu'on réponde à ça? Enfin, on n'a rien répondu, on n'a rien à dire là-dessus. Enfin bon, on va peut-être terminer la page. Je vais reprendre la parole pour. Je crois que c'est Polydor qui en avait parlé. Alors j'espère que c'était lui. De notre ami Samuel Etienne. Qui enchaîne masterclass de communication, qui félicite Diomandé sur Twitter sur sa prestation en disant on s'est apprécié un beau 4 à la suite, enfin incroyable, il est trop fort. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas d'ailleurs ça vient de Mustrike là pendant qu'on en parle, la première fois de la saison que l'OL fait 4 victoires de suite, parce que pendant la série d'invincibilité, je crois pas qu'on ait fait ça. Si. Ah si, pardon, on a fait une fois 5. Si, pardon. On a fait une fois 5, mais c'est tout. Saint-Etienne, Angers, Reims, Metz, Paris, c'est 5 victoires d'affilée, d'accord. Si, je me rappelle du bilan qui avançait, et puis à un moment, il y a eu que du vert, il y a eu que des V vert. Ouais, et après, il y a eu Brest, match nul. Ah ouais, sans Brest, match nul, ça aurait fait une série de 11 victoires qui aurait été incroyable. Alors, je vous propose de passer du coup au expected goals. Allons-y. Tout de suite. Avec un Lyon qui est en efficacité offensive extrême, quoi. Qui a fait 1.6 de XG goals pour 3 buts marqués. Et Strasbourg, par contre, ils sont cohérents, quoi. Ils ont quasi rien produit dans le jeu. Et donc, ils sont à 0.24 de XG goals et 0 buts. Mais tu vois, le 1.60 de XG goals, moi, je trouve ça dramatique un petit peu, dans le sens où... t'es à 11 contre 10 pendant 75 minutes. En fait, tu dois avoir 15 X goals à la fin du match, tu vois ce que je veux dire. Le fait que Lyon, surtout en deuxième période, se soit complètement relâché, ça, j'ai pas aimé, dans le sens où t'es à 11 contre 10 dès le début du match, t'as moyen de faire un carton plein en termes de buts, par exemple, je sais pas, un 5-6-0 gratuit. Tu dois y aller. Tu dois mettre les efforts tout le temps jusqu'à la 90e. Là, ok, il y a plus 3 au goal average, il n'y a pas eu trop de fatigue, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Je pense que la réponse à ça, c'est juste qu'ils ont mis 2 buts avant la 30e minute de jeu, et ils se sont reposés sur leurs acquis, tout simplement. Ouais, mais justement, c'est pas... Joué, mais ça, c'est habituel. C'est, ça, hein. C'est pour ça, hein. comme on peut voir hein, sur la timing chart des X-Goals, une fois que les 2 buts ont été inscrits, il n'y a quasi plus de East Goals qui ont été produits. Tu arrives à 1.2 de East Goals et ensuite, pendant les 2 tiers restants du match, tu fais 0... Tu fais autant que Strasbourg au final. C'est ça, mais après, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a 1. Lyon est une équipe qui s'arrête de jouer. Ça, on a l'habitude depuis 4, 5, 3, je sais pas combien d'années, mais depuis pas mal d'années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... qu'on a encore
un copier-coller de la composition d'équipe avec des joueurs qui sont cramés à la 55e, 60e minute. Et ça, bah, pour le coup, ils y peuvent rien. Hein. S'ils sont alignés à chaque fois la même équipe tous les 3 jours pendant 8 mois, ça, effectivement, ça devient un petit peu compliqué. C'est-à-dire que même Alain Perrin, quand Rudy Garcia a enfin daigné faire entrer des remplaçants à la 73e minute, Alain Perrin a dit « Ah, je le trouve un petit peu genre avare de 2 minutes de temps de jeu pour ses remplaçants. Il aurait pu les faire jouer au moins 30 minutes étant donné la configuration du match. » Et tout à fait. Donc déjà au niveau des remplacements, c'est une réalité. Et en plus, même au niveau de la composition d'équipe de base, où effectivement, il n'y a jamais aucun turnover. Et ça va potentiellement devenir un problème, même si ce soir, c'est relativement bien passé au final. Quoi. Et juste une petite parenthèse par rapport du coup, à ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau des points en Ligue 1 par saison, et ben, depuis 2015, on voit très nettement qu'on est bien au-dessus de toutes les perfs qu'on a pu faire en termes de nombre de points. Sachant que on a fini deuxième, troisième, quasi à chaque fois. Quoi. Ben, voilà, petite parenthèse statistique. Bon, la saison là en cours va se terminer avec un bon gros nombre de... Ça va être un bon rush. Alors, il faut voir par contre les équipes qu'on va affronter à la fin. Je sais que le Paris, on l'a fait cool. Pas très longtemps. À la fin, c'est toujours Nice. Il y a Nîmes, je crois, juste avant. Donc, qu'ils essayent de se maintenir, ça peut être un match aussi important pour eux. Donc, ils vont être motivés. Donc, c'est ils jamais fin. Nîmes, honnêtement, vu comment c'est parti. Je mettrai ma petite pièce sur le fait qu'il soit beaucoup trop loin de la zone de barrage. Ça dépend de l'électrochoc avec le nouvel entraîneur. Mec, va te tomber dessus. Ça dépend de l'électrochoc possible avec le nouvel entraîneur. Je leur donne peu d'espoir, quoi. En fait, la période la plus tendue au calendrier, c'est... Alors, on va dire qu'il y en a deux. Il y a Marseille, Rennes, Reims, Paris, donc au mois de fin février, début mars. Et enfin, il y aura juste deux autres matchs qui seront hyper horribles. Ce sont donc 34e et 35e journée, Lille et Monaco. Et après, les trois autres matchs, c'est Lorient, Nîmes, Nice. C'est normalement faisable, je pense. Ah oui, on enchaîne Lille, Monaco. Enfin, Lille et Monaco, ouais. C'est groupé. Lille, Monaco, ça va être chaud. Juste avant ça, t'as Marseille, Rennes, Paris. Donc en trois matchs sur quatre, quoi. Le titre, il va jouer dans les deux. Il va jouer fin mars, mois de mai, quoi. Se jouer peut-être pas, mais il faut pas être trop loin à ce moment-là, quoi. Et que ce soit... Merde. Je vais voir un petit peu le calendrier de Lille. Ils finissent par quoi? Ouais, ils finissent par Saint-Etienne, Angers, Lens... Lille, ils ont l'Europa League aussi, hein. Ils vont peut-être lâcher quelques points avec l'Europa League, Lille. Et Paris ont toujours la Champions League aussi. À voir, s'ils vont être éliminés les deux rapidement ou pas. Au plus long seront leur parcours, au mieux ce sera pour nous. Faut pas oublier que Paris s'enchaîne d'affilée Lyon et Lille. Et il y a Barça une semaine avant aussi. Et il y a le Barça une semaine avant. Et s'ils sont qualifiés. Et s'ils sont qualifiés, ils vont sûrement jouer juste après. Enfin, eux, Paris, ça va être un gros, gros rush. Donc, s'ils ont autant de blessés que ce qu'ils ont actuellement, ça peut être très dangereux pour eux. Moi, en vrai. Ça va finir par se calmer, je pense. Oui, mais à force moi, de... personnellement, pour le titre, j'ai plus peur de Lille que de Paris en ce moment. Oh non. Bah, Lille, en fait, ils font vraiment pas de bruit, mais ils gagnent tout. Hein. Vraiment, ils font aucune erreur depuis je sais pas combien de mois. C'est solide, c'est vraiment solide. Paris, il y a un moment, c'est toi qui le disais, je crois, Ferrandino, dans un de tes tweets. Ils ont une attaque, vraiment, genre, elle est goldée, leur attaque. Mais une fois que tu regardes le milieu de terrain et la défense, au milieu de terrain, il y en a aucun, évidemment, à part Verratti, mais il est souvent blessé, qui joue à l'OL. Et en défense,
Je t'avouerai que il y en a quand même très peu. Peut-être les latéraux, parce que, enfin, quoi que Dubois est quand même mis en ce moment. Mais tu rigoles, mais les latéraux parisiens, excuse-moi, mais avec Bernat qui est blessé. Ouais, c'est ça. Mais les blessures à Paris, s'il y a un rythme de match qui continue à être comme ça, il n'y aura pas possibilité pour Paris de faire tourner, de se reposer et tout. C'est un cycle sans fin, en fait, pour Paris. Jusqu'à ce que ça se calme un petit peu, qui est à la fin de la saison. C'est pour ça, moi, j'ai vraiment plus peur de Lille que de Paris. Moi, je suis... Enfin, ton unpopular opinion, Olivinho, pour moi, c'est... En tout cas, de mon côté, c'est une popular opinion de moi. Voilà. C'est non, oui, je suis complètement. Sur l'échelle Ferrandiniesque, c'est de la populaire, ça. Exactement. Mais ouais, bah écoutez, on va peut-être aller avec les notes de l'équipe que je t'ai envoyé ta sour sur Twitter. Sur Twitter, magnifique. Donc on a récup ça. Je les ai pas encore regardées, donc je sais pas trop ce que ça donne. On va voir si c'est un petit peu cohérent ou si c'est encore une fois un petit peu du aléatoire ranking. Et hop là, et Reizeu, maintenant tu dépenses tous tes points, c'est incroyable. Comme ça on voit bien tes messages, c'est parfait. Et du coup, les notes... je croyais que c'est moi qui avais mis le message en surbrillance, hein. Non, t'inquiète, c'est en gros attends, faut que je... normalement les dépenses de points sont, c'est en mode offre et la demande, tu vois, que tu utilises. Donc normalement au bout d'un moment ça va augmenter. Enfin bref, on verra. Du coup, les notes de l'équipe. Je les trouve globalement pertinentes, hein. C'est les nôtres en tout cas. Oui. En vrai, plutôt pertinent. Là, au premier coup d'œil, il y a rien qui me heurte particulièrement. Bon, il y a des endroits où je mettrais un petit point en plus, un petit point en moins ou quoi. Oui, mais c'est ça. Mais ça me semble vraiment pas n'importe quoi en tout cas ce soir. Incroyable. Justement, je réfléchissais en chemin à mettre 8 à Memphis, donc ça me va. Je t'avouerai que tout à l'heure, j'étais en mode, j'allais faire une blague sur, en mode, le bot qui fait les notes de l'équipe, c'est le même que celui qui distribue le temps additionnel. Mais finalement, heureusement que j'ai pas fait la blague. non, plutôt bien. Ouais, étonné. Plutôt bien. Et d'ailleurs, ce milieu de Ligue 1 qui avait ce milieu Paqueta Mendes Awar qui avait fait les beaux jours de fin 2020 et qui avait eu des difficultés en 2021, on le retrouve avec pas mal de performances. Vraiment cool. C'est bien, on va avoir un beau chat à la fin de l'émission. Aïe aïe aïe. Je suis devenu daltonien là entre temps. J'avais des couleurs partout là. Incroyable. En vrai, si vous faites ça, je vais devoir monter les points. Incroyable, vous allez devenir pauvre. Vous en avez combien des points sur vos... 2840. On a 2800. Je vais mettre à 3800, moi. Je vais mettre à 1000. Vous savez quoi? Oh, 1000, c'est un peu trop. Bah, 1000, un message comme ça. Oh, c'est un peu trop, 1000. Allez, 500. 1000, ça prend du temps quand même. Ah, ils ont qu'à être là, hein. Ils sont là tout le temps, hein. C'est bon. Hein. Tac. Pardon ? Développe. Oula. Le second degré, là, il passe mal. Ouais. Attends, non, mais c'est pour ça. Non, c'est comme la dernière fois. La dernière fois, je sais plus qui avait dit un truc dans le chat, et genre, j'avais dit développe. Avant de... Voilà. C'est la phrase pour dire qu'il a été kidnappé. C'est ça. J'attendais la vanne. Tu vois, moi, j'attends toujours l'argument et le développement derrière. Genre, c'est-à-dire, je préfère... Parce qu'on sait jamais, tu sais, si ça peut être une vanne ou quoi. C'est pour ça, la dernière fois, j'avais dit... je sais plus qui c'était dans le chat qui avait mis un truc genre un peu what the fuck. Et du coup, j'avais dit... fais attention, tu es en joue. Mais après il avait sorti une vanne rigolote, donc on avait baissé la mitraillette. Mais non ok. Tout va bien. Et c'est bon, c'est à 500. Est-ce qu'on a des nouvelles de Thiago Mendes sur sa potentielle blessure au début? Au pire c'est une entorse, donc ce sera une semaine. Concrètement il a passé la soirée à se faire tabasser, donc
J'espère que ça va bien. Il s'est bien fait tabasser au début. Au pire, ce sera une entorse 10 jours, c'est pas... Mais c'est ça. Il jouera... c'est très bien parce que ça donnera une excuse supplémentaire à Garcia pour faire enfin un turnover contre Ajaccio dans 3 jours. De toute façon, Mendes, du coup, vu qu'il s'est pris une suspension qu'on n'avait pas vue là, avec son sursis, il est suspendu contre Ajaccio, donc c'est un mal pour un bien en soi. Ça va lui permettre de se reposer un peu. Parce que ouais, honnêtement, ouais. Il s'est pris au moins 4 fois, il a fini par terre en prenant des mandales, ça n'a pas dû faire plaisir. Déjà avec Thomasson, honnêtement, Thomasson, il était un peu surexcité, hein, le garçon. Hein. Enfin, vraiment, franchement, s'il avait pas pris son carton jaune et ensuite un carton jaune probablement pour des mots déplacés, de toute façon, il devait prendre un carton jaune sur l'action d'avant. Donc, ça aurait été son deuxième sur l'action où il est sur Mendes. Donc, bon, c'est franchement, Thomasson. Mais il est souvent comme ça, Thomasson, contre nous. Je pense qu'il a un truc particulier avec Lyon parce que c'est vraiment pas la première fois que je me dis, putain, Thomasson, il est vraiment virulent, quoi. Il est motivé. Peut-être qu'il est stéphanois ou genre vraiment ça me pose question. Et ça va, Hugo, t'es bien retombé sur tes pattes. J'apprécie le la pirouette. la pirouette. Thiago Mendes, le petit protégé de Cookstar, évidemment. En vrai, Thiago Mendes, on a envie un petit peu, je pense, inconsciemment de le supporter, on va dire, parce que l'année dernière c'était tellement la foire que cette année un peu on se dit bon allez tout le monde s'excuse, on pardonne tout et puis on profite un peu de sa meilleure forme de cette année. Mais surtout, franchement, c'est encore lui a donné un bon match, une chance. Oui, c'est ça, on lui a donné une chance et maintenant bah il rend l'appareil, quoi. Moi, ce que j'aime bien, il y avait c'est eu que... quelques vas-y. Ok, bon, j'y vais cette fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que autant les tout premiers matchs de Thiago Mendes étaient des matchs amicaux quand il est arrivé. C'était assez convaincant, les tout premiers matchs, vraiment les tout premiers matchs. Et ensuite, il avait commencé à faire une mauvaise prestation, et ensuite une deuxième, et ensuite enchaîné sans jamais réussir à se relever de toute sa première saison. Et le truc, c'est que en deuxième saison... il n'y a pas eu cet effet-là. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire des bons matchs et il en a enchaîné 1 et 2 et 3. Et après, quand il y avait un match qui était potentiellement un petit peu en dessous, à l'inverse de ce qui s'était passé à la première saison, c'est pas ce qu'il a enterré du tout. Et au match d'après, en général, il savait se relever et il savait réenclencher la marche avant. Et c'est ce qu'il a fait ce soir parce que c'était un petit peu... les 2-3 derniers matchs de Thiago Mendes étaient un petit peu moins bons que ce qu'il nous a montré sur la première partie de saison, notamment. Et là, on a retrouvé ce soir un Thiago Mendes digne de ces très bons matchs, de ces très bons matchs jusqu'ici. Ça fait plaisir, honnêtement. Parfait. C'est super. C'est ça, vraiment. Donc à ce niveau-là, effectivement, il est à féliciter sur ce point précis. Et oui, peut-être l'impact Juninho aussi, on ne sait pas. Bah, après, on ne sait pas exactement ce qui se passe ou quoi, mais... En tout cas, ce qu'on sait, c'est que s'il est resté à Lyon, c'est grâce à Juninho, en tout cas. Les dons communiqués dessus, donc... Bon, bah, je propose que... On voyait aussi ouais. quelques séquences vidéo où Garcia et Mendes étaient très très proches, et même, je me souviens, dans un précédent live, on avait dit que Mendes était peut-être devenu une sorte un peu de lieutenant de Garcia, un peu les deux se seraient soudés un peu dans l'adversité des supporters. On avait dit ça, enfin que KTE, donc Karl Toko Ekambi, Cornet et Mendes, c'était un petit peu genre à chaque niveau du terrain, tu vois, attaque, milieu et défense, les référents. Les relais. Ouais, les relais de Garcia. Comme par hasard, les joueurs les plus détestés à l'époque. Hein. Comme quoi, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? C'est ça, bah, je pense aussi surtout que Garcia, parce que je crois que Garcia s'entend pas super bien avec Aouar, et je crois que Garcia, en gros, ses seuls potes parmi l'effectif, c'est les joueurs un peu détestés des supporters. Après, c'est tragique, Toko, apparemment, hein, apparemment, c'était pas fou, hein, Toko-Garcia, la relation. Hein. Apparemment, il y a quelques mois, c'était même Toko qui était...
un leader d'une fronde interne contre Garcia. La rébellion Toko. Donc ouais, bon, après on peut pas forcément. Là il s'est fait la boule à Z, donc. Ce qui se passe dans le vestiaire, tout ça. Et puis moi je suis pour de toute façon que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Exactement. C'est mieux pour la vie globale du groupe. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Et on va peut-être faire la minute promo. C'est parti. La minute promo. Ta source, je te laisse à la minute promo. Parce la, que la minute promo. T'as le contrôle de l'écran. Tu me prends de court. Tu veux que je meuble un petit peu. Je peux meubler un petit peu. Si non, mais je pourrai le faire. Attends. Oui, la minute promo. Juste en dessous du live. Attends, parce que faut que j'y aille aussi. Tu me prends de court, mais... Ça va le faire. Tac. J'ai l'impression là que c'est Benjamin Castaldi sur TF1 là. Wouhou. Non mais il faut slide entre les fenêtres et tout, c'est... Hop là, mais c'est incroyable. Je me vois en double, c'est magnifique. En dessous du live, vous avez différents liens qui mènent à toutes nos activités sur... qui concernent l'Olympique Lyonnais. Donc les podcasts, donc c'est les audios que vous retrouvez sur YouTube. Il y a les versions audio qui sont sur les podcasts, donc Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, bref, de partout. Vous avez juste à cliquer dessus ou à aller dans un hébergeur de podcast et puis nous retrouver là-bas. D'ailleurs, en parlant de podcast, il y a la version française de Football, mais il y a aussi la version anglaise de Football. Donc, si vous êtes bilingue ou si vous voulez apprendre l'anglais tout en écoutant du contenu de l'OL, je vous propose de bosser votre anglais, quoi. Et d'aller voir les copains Football English. D'ailleurs, il doit y avoir le Twitter. Il y a leur Twitter qui est dans le bio du compte Football. Donc, Football English, mené par nos trois compères. Deux Anglais, un Américain, qui font du super boulot. Et qui publient des podcasts quasi un, voire deux par semaine, des fois. Donc, ils sont très actifs. Donc, bossez votre anglais, c'est important. Première chose. Et puis, deuxième chose, c'est au niveau de... pour vous habiller. Parce que même si c'est le troisième confinement arrive, il y a un moment, faut pas rester en slip toute la journée, il faut quand même vous habiller. Et quoi de mieux que vous habiller avec Football, comme on a mis l'annonce aujourd'hui sur Twitter. Je vais retrouver parce que c'est Ferrandino qui a trouvé ça, c'était incroyable. C'était... Si vous pensiez déjà Football, dorénavant, vous pourrez aussi le porter. Et ça, c'est beau. Et avec deux t-shirts différents, il y a différentes couleurs, il y en a plein. Merci, ça s'affiche. Il y a du rouge, du blanc, du violet, du noir. Et ça ressemble à du gris. Bon, il y a ça avec, que ce soit le texte ou avec le lion. Il y a des suites Football. Des mugs, des stickers, si vous voulez mettre, genre, dans vos universités ou vos bahuts, genre, vous mettez des stickers Football sous les tables, comme ça, ça fait un peu de la pub, mais... Sur les PC. Ouais, sur les PC, c'est magnifique. Ça, c'est de l'idée. C'est vraiment de l'idée. Et les prix des pulls, alors, en tout cas, les prix, là, ne changeront plus. Donc, on a fixé les prix qu'on voulait... Et là, les prix ne changeront plus sur le site. Donc voilà, là, à partir de maintenant, c'est tout est OK. Contrairement à ceux du pétrole, ceux-là sont stables. Okay. Après, il y a le cours du dollar. Cadeau. Donc en soi, c'est aussi par rapport au prix du pétrole. Bon, ça va. Ah, je l'ai piégé. Il est coincé. OK, je reconnais que j'avais pas pensé à ça. Toujours est-il que... Normalement, j'aurais dû avoir le mug Football ce soir, sauf que le livreur avait la classique. Le coup du « je viens, mais je monte pas chez toi, je sonne pas, mais je suis venu, tu vois, mais t'étais pas là. Ah. » Ça rend fou, ça. Ça rend fou. Mais du coup, j'ai deux mugs qui m'attendent à la poste, à la poste du coin. Donc, faudrait que j'aille les récupérer. Mais en tout cas, ils sont arrivés. Et puis, tout ce qui est vêtements, ça met un petit peu plus de temps parce qu'ils sont produits, en fait, aux États-Unis. Du coup, il faut qu'ils fassent le voyage. Et du coup, je devrais les récupérer normalement semaine prochaine. Trucs, moi,
Ah, t'as commandé du coup ? J'ai pas encore commandé, mais je vais le faire là. Je vais le faire la semaine prochaine. D'accord. Il y a Lucas Mea. Je sais pas si t'es encore là, Lucas. Sur le live. Il est juste là. Oui, il a fait le timide, le livreur, évidemment. Ouais, oui. T'as commandé aussi le mug. Essaye d'attraper le livreur quand même. Genre, tu l'attrapes par le col et tu dis finalement, mon mug football, sinon je te casse le. La margoulette. Enfin, voilà. La margoulette, mot qui n'est plus utilisé depuis 1920. Exactement. Et si vous vous demandez pourquoi il y a des cœurs un petit peu de partout, c'est parce que c'est la Saint-Valentin dans quelques jours. Et puis on se souhaite tous une bonne Saint-Valentin à Polydor dans le chat, s'il vous plaît. et puis voilà, je pense l'instant promo va se terminer sur cette magnifique phrase. Le quart d'heure promo même. Un petit point quand même sur le dernier point promo, c'est on est toujours en partenaire avec les trois points. Avec les trois points. Je vais avoir le t-shirt qui traîne là-bas. Avec le code promo FOOTBOL, FOOTBOL, tout en majuscule, qui vous donne 10%, voilà, sur vos commandes sur le site. Yes. Et par rapport au match de ce soir et à la célébration de notre cher capitaine Memphis Depay et son coup franc absolument splendide, il y a la même version avec la célébration et toi dans les oreilles. Magnifique. Et du coup, c'est celui personnellement que j'ai, si vous avez été là. Ces derniers lives, vous avez sûrement pu le voir. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il a mis, c'est plus dur, forcément. On a un chat très en forme ce soir. Ah, magnifique. C'est exactement ce que je cherche. On va pas le dire en live alors, pour pas se faire un strike ou quoi. Mais de toute façon, le chat est affiché en stream. Donc pour les plus curieux, ils peuvent voir. Voilà. Attends, faut que je lise quand même. Parce que je parle, mais... Tac, tac. Ah, mais c'est... Enfin, incroyable. Honnêtement, on y pense. Crois que ça surpasse la vanne de Polydor d'opening un peu du stream. Faudrait faire un ranking. Si l'un de vous est chaud, vous faites un petit Excel, genre sur un Google Drive, et vous faites un petit classement des meilleurs vannes. Oh, c'est qui, vous ? Bah, n'importe qui. Okay. Des meilleures vannes qu'il y a dans le chat. Genre, il y a des masterclass à chaque fois. C'est magnifique. Je vois, à la fin de l'année, une vidéo un peu fun, comme ça pourrait être sympa. Un petit analyse... Analyse saison des supporters de l'OL, du chat football. C'est ça, la bande qui a été le plus performant. en vrai, j'ai vos stats. Hein, si vous faites pas les malins, j'ai les stats de qui a le plus publié d'entre vous. Je vais aller chercher ça. Tac. Comme ça. Même s'il est pas là ce soir, je pense que Théo doit être. Ouais, je crois qu'il doit être dans le top 3, forcément. Mais je sais que le podium est très serré. J'avais regardé ça l'autre fois. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Reizo. Reizo qui est top 1. Avec 186 messages dans le chat. Suivi de Polydor 174. Et Olivigno. Qui a 137. Là, le problème, c'est que les trois sont sur le chat, donc il va y avoir une bataille jusqu'à là. Aïe, 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 aïe. Le spam. le bon spam. Il y a Lucamia qui a 71. Ah, les trois là. C'est vrai, on a peine de live. Olivier, ouais. On sent message par live, en taux de message par live. Ouais, t'es pas mal. C'est la première place, je pense. T'es pas mal. Et ça s'actualise. En vrai, j'ai trop envie, tu sais. Tu fais un. Genre, je fais un screen, là, juste de la partie de l'écran. Je le mets dans un coin du live et tu vas voir les scores monter. Non. En vrai, Polydor, juste spam et passe devant Reizo. Comme ça va le mettre un peu en rogne. La concurrence saine, on a dit. Hein. Saine, évidemment. Évidemment. La concurrence saine dans l'effectif de football, toujours. La concurrence. C'est parti. Voilà. En vrai, si vous êtes là à la fin du live, on regardera, le score final du stream. Oh voir qui a gagné. En vrai, rappelez-moi si à 23h, je pense, on finirait vers 23h. Vous me le rappelez, on regarde et. Okay.
Et puis, qui gagnera le trophée de Top Chatter pour ce 6 février 2021. Enfin voilà, Olivier Mignot, t'es pas très loin derrière, hein. Fais gaffe. Enfin voilà, ouais. C'était l'instant promo, l'instant drôle, l'instant... l'instant football. La demi-heure promo. Ouais, mais c'était même pas de la promo, c'était... on parle avec nos amis dans le chat, c'est quand même important. Et puis bah, on va tout doucement passer sur les cas des joueurs. Alors justement... Moi, je vais commencer par Memphis. Justement, quand je te disais que tu m'avais pris de court, c'était parce que j'étais en train de set-up ça. Ah. Mais après, on fait toujours le moment promo entre les deux. Ouais, mais très bien. Mais, les émotes. Par contre, du coup, c'est pas du tout à jour. Ah oui, c'est pas, mais les émotes, ça marche aussi, hein, les émotes. Il y a le score des émotes aussi, hein. Faites-vous plaisir. Et même, je dirais mieux, vous pouvez spammer les emotes sur les chats des autres personnes. Et ça, ça c'est l'esprit football, messieurs. Ça, c'est l'esprit football. Pour ramener des gens sur le live, et comme ça, si vous êtes top 1 ou top 2 ou top 3, enfin sur le podium des meilleurs chatters football, bah, ça sera par rapport à genre des centaines de personnes. Et le prestige, tout de même. Bref, je parle, mais je travaille pas. On pas trop changé en fait. Par Memphis. En fait, je veux commencer par Memphis. Ouais. J'ai très envie de me lancer sur notre capitaine. Il faut que j'enlève les notes parce que la comp, merci Garcia, ça me fait moins de boulot. Elle est restée la même. Mais les notes. alors que là, sur le chat, ça s'organise pour faire une descente sur un live. Après, je sais pas moi comment. Tu sais comment on fait un raid, toi, Tassour? Oui, okay. Je sais comment on fait. Vous voulez, on fait un raid à la fin. Faudra me trouver le live. Mais en vrai, ce serait sympa de finir. Bah après, là, c'est parce qu'on finit un petit peu plus tôt. Mais ce serait sympa de finir les lives en faisant un raid. Faut pas un trop gros truc non plus. Hein. Non, mais enfin, c'est toujours assez drôle, quoi. Toujours assez drôle. J'en ai jamais fait. J'en ai participé à pas mal vu que je suis viewer Twitch depuis des années maintenant. Mais j'en ai jamais réalisé. Enfin bref, on parle de ça. Mais Memphis, notre capitaine, qu'avez-vous pensé de lui? Il a fait... Moi, je retiens son coup franc. Hein, magnifique. Un mot, hein. Patron. Le boss. Voilà, c'est merci, au revoir et c'est réglé. Et salut Whisky aussi, dans le chat. Hello. Oh, Original Whisky qui est là, salut. Salut. Ouais, non, bah... Whisky qui s'est fait déborder, là. Whisky qui arrive une heure en retard. Et Whisky, c'est le seul qui le travaille, enfin, quand même. T'as vu le match, au moins, Whisky? Il vient d'arriver, il a même pas encore enlevé son sac ou ses chaussures, il se fait attraper comme ça. Il s'est attrapé par le col. C'est pas le livreur, hein, Lucas. Calme-toi. C'est ça, en fait. C'est pas lui qui va te filer ton mic. Ouais, non, mais Memphis, ce soir, bah, pas trop. Hein. On regrettait un petit peu, lors des deux derniers matchs, son inactivité ou son inefficacité. Son absence de réussite. Ouais, voilà, son inefficacité. Là, ce soir, c'est l'inverse, quoi. C'est deux buts, tout propre. Un coup franc sublime, c'est le patron. Bah, moi, franchement, il y a trois jours, j'étais un petit peu embêté pour noter Memphis, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il manque un petit peu trop de choses, on oublie absolument tout le reste sur ce qu'il fait. Et ça m'embête à chaque fois, parce que Memphis se prend des tempêtes de, de bourrasque et tout ça, à chaque fois qu'il y a un match, en gros, où soit il marque pas, soit il fait pas de passe D. Et le problème, c'est que... Ça ne représente pas tout l'impact que Memphis a sur le terrain et dans le jeu de l'Olympique Lyonnais. Il a un jeu sans ballon qui est absolument crucial pour l'OL. À chaque course de balle, à chaque appel de balle dans la profondeur qu'il fait, il fixe à chaque fois un défenseur, voire deux défenseurs, qui crée toujours des espaces en général sur les côtés pour Etoko et Kadewere. Et à côté de ça, on a aussi, bah, avec le jeu avec ballon, c'est Fleck qui a sorti une très bonne stat sur ça. Moi, je peux même aller là-bas. Beaucoup les passes progressives.
Il a sorti la stat des stats progressives. Le chiffre des stats progressives. Des passes. Oh là là! Oui, allez. La stat des passes progressives pour Memphis. Et Memphis est dans le top 5 européen des joueurs qui ont fait le plus de passes progressives. Sachant que c'est aussi le joueur qui a joué le plus de matchs parmi ce top 5. Donc, là, le tweet. Il est, je crois, à 92 ou 93%. 92,31%. Sur 23 matchs disputés. Donc, on a ici un joueur qui a une importance capitale, alors même qu'il est censé être au poste de buteur. Donc, c'est-à-dire que normalement, au poste de buteur, c'est l'endroit où c'est le plus dur de faire des passes progressives. Parce que forcément, tu as beaucoup moins de terrain devant toi. Donc, beaucoup moins, normalement, de possibilités de faire une passe qui fait avancer le jeu. À l'inverse, par exemple, de ceux qui sont beaucoup plus en retrait, comme les défenseurs centraux. Et donc, on a ici un joueur qui est, je trouve, trop souvent résumé à ses manqués et ses problèmes d'efficacité, de finition ou de concentration, on peut appeler ça comme on veut. Il est trop réduit à ça, je trouve, parfois. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu embêté il y a 3 jours et que là, je peux m'en donner à cœur joie pour dire bravo Memphis pour ce match. Parce que non seulement dans le contenu, il a été, encore une fois, pour moi, très pertinent, mais là, il a été aussi présent à la finition avec un très bon but dans le jeu, avec un bel appel, il a bien senti le jeu et avoir été bien présent aussi sur l'action. Un très beau coup franc qui termine au fond, et aussi un très beau coup franc en première mi-temps qui termine sur le poteau, hein, parce qu'il aurait pu en mettre 2 des coups francs, c'était exactement le même, et Kawashima dévie tout pile le ballon pour que ça arrive sur le poteau, mais ça aurait pu être un triplé avec 2 coups francs directs de Memphis. Donc ce soir, c'était Grande capitaine, Grande Memphis. La parade était magnifique. Hein. La parade de la première tentative de but de Memphis. Ouais, la claquette détournée sur le poteau, magnifique. Un arrêt Kawashima, d'ailleurs, qui a 150 ans. C'est... 38 ans, ouais. 38 ans, c'est une spécialité japonaise. Ça, c'est une spécialité. C'est vrai que le joueur le plus vieux, joueur de foot professionnel le plus vieux, est japonais et joue au Japon. Il a plus de 50 ans ? 53 ans et il a re-signé il y a quelques semaines, je crois, pour une saison supplémentaire. Ah ouais, lui, les jeunes du centre de formation, ils sont fous en fait. Il ne peut pas laisser sa place. En fait. Il les enterre un par un. Genre, tu sais, c'était aussi 10 stades, tu vois, c'est, tu alternes les équipes. Lui, son équipe, elle ne veut pas sortir en fait. Genre, elle veut pas s'arrêter. Le mec, je peux te dire, il a de l'expérience. Quoi. Il devrait bien aller à l'équipe TV quand même. Tu m'étonnes. Yeah. Et d'ailleurs, ouais, même pour. Sur Memphis. De quoi ? Ouais, mais pour rajouter un petit peu sur Memphis aussi, je voulais dire quelque chose, c'est que comme Memphis se cache pas dans le jeu, c'est un petit peu, on va dire, le jour et la nuit ses performances. C'est-à-dire que comme il prend beaucoup de risques, si ces risques ne paient pas. On va dire, ouais, Memphis, match raté, machin, 3,5 sur 10, blablabla, a raison. Et par contre, quand ces prises de risque et ces passes vers l'avant trouvent preneur et que ces risques sont payants, là, tout de suite, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que on va mettre 8, Grande, top player, tout ça. C'est-à-dire que les performances de Memphis, ce sera jamais linéaire, en fait, entre les matchs, contrairement à d'autres joueurs... Par exemple, Toko Ekambi, où on est toujours autour de performances, on va dire, assez bien, voire bien. Memphis, lui, il y aura beaucoup plus de ce côté, ouais, il est passé à côté de son match, quoi. Parce que il se cache pas, en fait. Je pense, on peut le dire, qu'Adewere, lui, pour le coup, se cache un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, Memphis, pour moi, c'est bien plus qu'un simple attaquant de l'OL. C'est... Enfin, par rapport à sa position... Il est complètement libre sur le terrain. Des fois, il est aux côtés de Mendes pour aider à la relance. Puis ensuite, il part direct dans la profondeur d'un sprint super rapide. Il est vraiment de partout. Et quand l'équipe fonctionne bien, c'est un plus énorme parce que ça crée des décalages, ça crée des fissures dans les lignes adverses. Mais quand l'équipe est un peu moins bien, en fait, les passes sont ratées. Du coup, il y a des interceptions de l'équipe adverse. Et on se prend des contres, et il y a tout qui va moins bien. Du coup, c'est un peu un quitte ou double, et c'est pour ça que je pense que ça rejoint ce que tu disais, Deacon, sur le fait que les performances de Memphis sont pas
super régulière, en tout cas là en ce moment, c'est parce que ces derniers temps, l'équipe n'était pas au mieux de sa forme. Notamment Aouar, avec qui il a une complicité particulière. D'ailleurs, le premier but qu'il met, c'est une passe d'Aouar. Et pour moi, c'est le duo qui... Enfin, c'est le duo important à l'OL. Alors, pas en ce moment, mais en termes de capacité technique de ces deux joueurs, ils s'entendent à merveille sur et en dehors du terrain. Et s'ils sont en forme les deux pour la fin de la saison, ça peut faire très 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 mal. Bah, c'est pour résumer un petit peu ce que tu dis, simplifier peut-être l'idée, c'est tout simplement, et ça je pense que personne viendra contredire, c'est les deux plus gros talents actuellement dans l'effectif. Ça je pense que c'est assez indéniable. Et Hugo dans le chat, je pense que tu résumes très bien cette dernière idée, c'est que c'est un joueur de déchet car il tente, mais il est indispensable et créatif en tout point. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on peut pas demander à un joueur qui tente des choses que les autres ne tentent pas d'avoir un pourcentage de réussite aussi élevé que les autres qui tentent des choses qui sont plus banales et plus communes. Donc ça, en effet, c'est à remarquer pour des joueurs comme Memphis ou Aouar. Voilà. Mais en tout cas, Memphis ce soir, c'est vraiment très très bon. Et moi, je lance les hostilités avec un 8 sur 10. Pour notre Memphis. Je pense que là-dessus, on peut suivre la notation de l'équipe qui était très juste sur sa performance. Est-ce qu'on fait un petit sondage ou pas quand même? Ou est-ce que vous êtes tous d'accord avec le 8 dans le chat? La dictature, c'est bon sondage. C'est N'oubliez pas qu'avec vos points de stream, vous pouvez proposer vous-même des sondages. Donc n'hésitez pas, hein. Ça coûte pas très cher vu que vous êtes tous riches, évidemment. Alors, moi j'ai des points illimités hein, de mon côté, donc faites gaffe. C'est la banque centrale. C'est clairement ça. Je fais le cours du marché et je distribue un petit peu à tout le monde. Alors, on fait quoi comme range? Entre 6,5 et 9, enfin, ou 8,5 quoi. 7. Mais à partir de 7. Ah, du coup, on s'est mis d'accord pour le faire en espagnol, si je comprends bien. Attends. Autre chose. On tourne beaucoup autour de l'espagnol ce soir. Si tu veux, tu mets quelle note pour Memphis, tu me le mets en espagnol et je le mets dans le sondage. Hein. Y a pas de souci. Hein. Mais faut que tu me mettes là dans les... Allez, dans les 10 secondes qui viennent là. Je mets le compteur à côté. Allez. D'accord. M'envoie. Alors oui, mais non. Allez, je lance le sondage. Ah, tu fais le malin, Je suis sûr que vous pouvez comprendre même si on parle en espagnol. Genre si bah tu vois, genre c'est presque une bonne phrase. Genre déjà t'as pas mis par là, t'as mis habla, c'est pas mal. J'espère être recruté pour un futur football espagnol. écris-nous cette phrase en espagnol et on en reparle après. T'avais une opportunité et tu l'as pas saisie. Bah voilà. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et votez, le sondage est disponible. Voilà, un premier 8 qui vient d'être enclenché. 8 aussi. 8 aussi, un deuxième 8. Un troisième 8, oui, vous êtes quatrième 8, bah super. Je pense que la dictature. Vous êtes... Ouais, c'est un peu la dictature, on vous manipule. Hein. On trafique les urnes. Exactement. 5, je pense que, en effet, c'est le 8 unanimement qui l'emporte. Et on a peu parlé encore ce soir, mais Memphis qui se met super bien au niveau du classement des buteurs de Ligue 1. Avec son puisqu'il buteur. Est à plus qu'à deux longueurs du coup de Mbappé, qui est complètement au fond du seau depuis quelques temps. Avec 13 buts. 13 buts, c'est bien. En fait, c'est bien de voir vraiment les trois en même temps. Quoi. Enfin, la triplette... qui marque tous nos buts,
Bah les, chacun de nos attaquants est à 11 buts en moyenne. Hein. Ça fait 13 pour Memphis. Bon, avec 6 pénaux, donc ça booste un petit peu, sans doute. 11 pour Toko et puis 9 pour Kadewere. Kadewere, tiens, on va peut-être pas non plus trop s'attarder sur lui, parce qu'il n'a pas du tout été en vue ce soir, mais pour le coup, j'ai un peu l'impression qu'il se cache parfois dans le jeu, celui-ci. En plus de rater parfois des frappes très, très simples en apparence. Donc ouais, pour Kadewere, je suis un peu mitigé pour le coup. Rizzo, qu'est-ce que vous en pensez un peu? Rizzo qui a pris beaucoup d'avance hein, par rapport à Polydor. J'en pense que c'est son seul match moins bien Kadewere ce soir. Son seul de la saison, tu penses? En tout cas, non, sur, je sais plus si c'est de la saison ou quoi, mais genre, en tout cas, enfin, je pense pas qu'il faille voir les performances de Kadewere des deux dernières semaines et celle de ce soir comme une série. Parce que pour moi, celle des deux dernières semaines, c'était pas les performances de Kadewere, mais c'était les performances globales de l'équipe. Alors que ce soir, effectivement, l'équipe a été bonne, et là, Kadewere n'a pas été transcendant. Donc là, effectivement, ce soir, on a eu un Kadewere moins bon, ce qui pour moi n'est pas le cas sur les matchs d'avant, où il n'a pas eu l'opportunité de se mettre en valeur, étant donné que le collectif était globalement absent et proche du néant. Donc là, effectivement, ce soir, on a vu moins de choses de sa part, donc là... Sur ça, je m'accorde avec toi. Ouais, son impact un peu est moindre dans le jeu ce soir. Bah bon, on prend 3-0, ça va. C'est... En fait, Paqueta partait souvent dans l'axe et Awar partait souvent avec Toko et Memphis dans l'axe côté gauche. Du coup, Kadewere était un petit peu isolé sur son côté droit avec Dubois qui essayait de centrer, qui essayait de combiner un peu avec Kadewere, sauf qu'il se faisait très vite encercler par 3-4 Strasbourgeois qui les étouffaient, en fait, tout simplement. C'est ça. On passe sur quel joueur, maintenant? Joueur, on passe proposé dans le... Proposé dans le chat, ouais. Moi, je voulais faire Memphis en premier, donc ça, c'est fait, c'est coché. Maintenant, on peut... Maintenant, on peut écouter un petit peu le chat. Genre... la démocratie reprend son... Olivier qui veut Toko et Kambi. Rizzo qui veut Paqueta. Battez-vous dans le chat, on demande, hein, quand même. Hein. Battez-vous. Non, on va faire Toko, peut-être. C'est le premier qui est sorti. Alors, Toko. Oh, l'emoji Rudy Garcia, elle est géniale. Elle est incroyable. D'ailleurs, c'est une emoji Rudy Garcia qui est pour l'instant disponible que en gros pour les subs tier 3, donc à 25 balles. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas suffisamment d'abonnés pour les mettre à dispo pour tous les abonnés tier 1. Mais ce n'est que temporaire, n'est-ce pas? Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Il y a l'emoji Olas, je crois aussi. Ouais. C'est le deuxième, ça, c'est le tiers 2. Olas qui tire la langue. C'est le Olas qui tire la langue ou c'est pas celui-là? Ici, c'est Olas qui tire la langue. Celui-là, il est génial. Et puis évidemment, le logo football que vous irez spammer tout à l'heure quand on ira en raid. Toko. Notre ami Toko. Bah, c'est encore un but, hein, mine de rien, ce soir. C'est. J'ai envie de dire un peu, ça va être un peu, on avait un surnom pour Kadewere, là pour Toko c'est un peu l'inévitable Toko et Kambi, c'est-à-dire que il finit toujours avec un but ou une passe décisive, j'ai l'impression. C'est vrai qu'au niveau des stats, lui c'est un petit peu l'inverse de Memphis, c'est-à-dire que dans le contenu on voit moins de choses, mais au niveau de la stat il y a toujours la petite ligne. Carl Poteau et tant pis. Oui, dès que j'arrive, il y a les meilleures blagues. Incroyable. Carl Toko et tant pis. Insane. Oui, désolé, mon PC a crash. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, nous sommes de retour. Re à tous. J'ai vu qu'il y a eu un petit peu d'animation dans le chat. Vous avez donné les notes pour Toko. Et vu que du coup, mon PC a crash et je n'ai pas sauvegardé la dernière note de Memphis, donc je vais le faire de ce pas. Et je vais remettre la musique. Tac. On avait dit 8 pour Memphis. Est-ce que ça marche? Et là, pour Toko, ça se bagarre là. Jusque-là, ça devait faire. Ça se bagarre entre 6 et 6,5.
Tac. Alors, que je retourne prendre la compo. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, c'est notre 30e match couvert par Football depuis la création. Waouh. 30 matchs. Ça fait quasi une saison. Hein. C'est beau. Avec les matchs de Champions League, les matchs amicaux, on en a fait deux ou trois, je crois, des matchs amicaux. Mais oui, c'est très beau. C'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir. Tac. Et donc, on va partir sur un sondage direct comme ça, dans le vif. Oula, oui, mais du coup, attends, il faut que je retourne. Qui, pour moi, a fait plutôt une bonne première mi-temps. Quand l'équipe était convaincante, moi, j'ai trouvé Toko aussi assez présent, bah, notamment avec un, le but, et deux, quelques percées balles au pied où il était vraiment, vraiment bon, je pense, en tout début de match, notamment, où il a fait une course balle au pied, où il rentre dans la surface, il bouffe physiquement et à la vitesse son vis-à-vis strasbourgeois, et ensuite il adresse un bon centre en retrait. Malheureusement, ça donne rien. Mais moi, j'ai trouvé la première mi-temps de Toko assez, assez pertinente. Et après, un petit peu moins bien en seconde mi-temps, bah, un petit peu comme l'intégralité de l'équipe. Mais voilà, avec un but, et un but aussi un peu important, hein, parce que c'est le deuxième, c'est dans ce genre de match... C'est un but, c'est le deuxième but est souvent assez important, surtout pour Lyon. On sait très bien que contre des équipes à 10, souvent on fait n'importe quoi. Donc moi je suis pour un 6,5, comme j'ai dit dans le chat. On met quel range du coup dans le sondage? Entre 5 et 7. Ouais, ça me semble être bien. Tac, et une petite dédicace parce que je vais mettre 2 minutes. Peut-être 5,5 et 7,5 plutôt. Bon, bah c'est pareil, c'est pas grave. Trop tard. Mais non, en espagnol. Et j'ai mis en espagnol. J'ai fait l'effort. C'est en espagnol ou en espagnol, là, la façon dont tu l'as écrit, là? T'étais bourré, là. Que no t'a pas racaté, c'est... Pourquoi tu dis ça? Ça se dit vraiment comme ça? Ah bah... Bah je sais pas, c'est Google Trad. Je dis pas que je parle espagnol. Ça se dit comme ça, hein. Bah... Honnêtement, moi je suis super naze en espagnol, donc je vais pas... J'en ai rien à foutre. Argumenter plus longtemps, mais j'aurais jamais pensé que ça se disait comme ça. Ah si, si. tu m'as fait douter, genre... Incroyable. Ok, bah c'est... Dans ce cas, je m'excuse. Alors, c'est moi qui parle espagnol, là. Je suis un peu bourré. Espagnol, ouais, l'agneul, ouais, t'inquiète. C'est un petit jeu de mots, voilà, entre espagnol. Les lignes. Tu sais, tu peux la noter aussi, dans les blagues. Je vois qu'il y en a qui ont fait des petits calepins. Ok, 6,5, vous n'êtes pas encore fixé. 6,5. D'ailleurs, je vais afficher. Hop là. Oula. Pas très propre. Voilà, espagnol. Voilà, espagnol. L'agneau. Mot inédit. Vous l'aurez entendu qu'ici. Inédit. C'est avant tout, football, c'est la création de contenu espagnol. On n'a pas d'espagnol. Si, on avait dans l'effectif de l'OL, on avait celui qui a Dijon. Sergi Darder. On avait Sergi Darder et on avait. Mince. Voilà. Qu'on a rencontré bah, du coup au dernier match. Et à l'époque, il y avait Marc Rosas. Oula, tu remontes un peu long. Rosas. Hey, Polidor l'avait. Hein. Coco. Polidor, il connaît. Bah, tu sais, il est bien aussi. Hein. Impec. 3-3. Vous coulez pas. Mais Marc Rosas, ça fait 12 ans qu'on l'a pas vu celui-là. Marc Rosé, là. Un petit 3-3. Donc c'est à nous de trancher. Moi je prends 6. Ah, Tassour, c'est le. Tassour, le juge de paix. Ah, compliqué. En vrai, il a mis son petit but, donc il mérite le 6,5. Yes. Il me filera les thunes après le live. Ça donc. Se règle en Twix. Allez hop, on part sur un 6,5 pour le Toko Ekambi. Que nota para la KTE. Pas mais. Ça c'est du grec. Hop là. Ah, la prochaine. Le prochain sondage, je le mets en grec. D'accord. C'est le polyglotte MC. Là, les gens vont pas comprendre, je pense. C'est pas grave. Ils verront le nom. Autant en espagnol, ça peut se comprendre parce que c'est assez,
c'est assez transparent, autant en grec, j'ai quelques doutes. Ça peut. Bah après, tu sais, tu vois le nom du joueur, tu sais de quoi on parle, si t'écoutes le live, et tu réponds. Hein. donc, si c'est nuit pour KTE, je pense qu'on a fini avec KTE. J'avais vu Paqueta, je crois. Alors, peut-être faire un joueur de la team. Tassour ou Taken. Je t'en prie, Taken. Je t'en prie. Choisis. Ben, on pourrait faire Paqueta, et comme ça on pourrait faire quelle note pour Paqueta, mais en italien. D'ailleurs, en parlant de langue, j'ai entendu Rudy parler anglais. Hein. Oula. C'était un fort accent, mais il s'y est mis. Après, le portugais, je pense, il a pas commencé, mais en vrai, ils parlent tous plus ou moins anglais. Hein. Bien sûr. Oui. They all recoup the ball. Non, en vrai, Awar, il parle quand même anglais avec Memphis. Il sait parler anglais. Et d'ailleurs, petit aparté, toujours dans le documentaire de l'UEFA là, sur les arbitres, l'accent anglais de Clément Turpin est absolument, mais quand je vous dis incroyable, c'est-à-dire que c'est masterclass. Mais masterclass dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est absolument affreux. Genre. C'est le bon français. Avec le béret et la baguette de pain. Ouais, non, mais en plus, il a une petite voix fluette un peu. Genre, on dirait Darmanin sur un terrain de foot. C'est vraiment incroyable. Tiens, je te mets la phrase en italien dans le chat. Parce que voilà. Nous avons quand même quelques qualités par ici. Et je j'ouvre les autres qualités hein, sur Paqueta. En proposant un 6. Voilà. Développe un peu. Développe. Mais évidemment, pas plus enthousiasmé que ça avec Paqueta, même si on va dire que c'était mieux contre Dijon. Mais bon, c'était pas. Je me suis pas plus régalé que ça. Allez, peut-être défensivement, il a été quand même assez en vue. On aura tous remarqué le super tacle qu'il fait en première mi-temps là, en glissant sur 10 mètres. Mais à part ça, offensivement, bah. J'ai pas vu beaucoup de choses en fait. Sur l'action de Kadewere, il y est quand même, et c'est lui qui crée la très belle occasion sur le manqué de Kadewere où ça passe au-dessus de la barre à cause de la sortie très rapide de Kawashima. Pour moi, Paqueta, c'est quand même un plutôt bon match. Hein. Enfin, je l'ai trouvé beaucoup plus convaincant dans le contenu qu'il y a 3 jours. Il avait l'air moins fatigué, en fait. On avait eu ce sentiment un petit peu il y a 3 jours qu'il semblait fatigué. Je pense que le terrain n'aidait pas non plus. Là, je l'ai trouvé quand même bien mieux dans ses crampons. Et il a créé 2-3 belles choses, je trouve quand même. Peut-être un petit peu dur, Taken. Moi, Paqueta, là où j'ai beaucoup apprécié, et je pense que ça va en lien avec ce que tu dis, Ferrandino, c'est que il a repris la forme. Enfin, il était on fire sur les repliements défensifs. Il était à droite et à gauche corné. Il défendait en fait à deux parce qu'il y avait tout le temps Paqueta qui était là pour compenser. Et ça m'a autant impressionné que, je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier match de Paqueta à Lyon, où en fait on avait plus apprécié sa capacité défensive et un peu son positionnement tactique que ses dribbles offensifs qu'on a pu voir bien sûr par la suite. Mais je pense que son match c'était un petit peu ça. Il s'est beaucoup investi dans la récupération du ballon. Salut Timosaur. Justement, ouais, et dans l'aspect défensif pour Paqueta, rien à dire, mais sur l'aspect offensif, pour le coup, je lui reproche un petit peu ce qui s'est passé en seconde mi-temps pour à peu près tout le monde, c'est-à-dire d'avoir un peu baissé le pied et de ne pas avoir mis plus d'impact que ça. Sur la fin d'ailleurs, quand Cherki rentre, Paqueta se réillustre un petit peu, donc avec la tête qui aurait pu d'ailleurs terminer au fond si Kawashima l'avait pas arrêté. Mais à part ça, honnêtement, c'est juste bien en fait. Mais de là à mettre 7 ou 8,
Oh non, mais non, on parle pas de non, ce genre de note là non plus. Moi personnellement, j'étais sur un 6,5 aussi. Dans le sens où. C'est pour moi. Au niveau du contenu, pour moi, c'était mieux que ce qu'a pu faire Toko dans la globalité de sa prestation. Mais il n'y a pas, le but ou l'élément de stat qui est présent pour lui rajouter quelques points. Donc moi, je trouve que c'est plutôt cohérent de mettre la même note que ce qu'on a mis à Toko, donc 6,5. Et puis dans l'absolu, 6,5 pour le match qu'il a fait, ça me semble aussi assez pertinent. Donc moi, je partirais sur ça. Et dans la lignée Et dans la lignée des blagues football et du chat qui est on fire ce soir, évidemment, Rezo qui nous dit que Paqueta a repris du poil de la bête de Lyon, évidemment. Bravo, Rezo, pour cette blague. Je laisserai le chat se justifier de la qualité Rezo de cette blague. Rezo s'est chauffé pour créer le, le dossier avec les blagues du chat. Il me semble avoir vu le En fait, t'as envie de que tes blagues à l'intérieur, quoi. Réveillez-vous quand même les autres, parce que Rezo est quand même chaud au niveau blague hein, ce soir. Oh non, il est vraiment trop chaud, putain. Oh non. Là, c'est petit. Là tu vas dans la facilité, je pense, ouais. Bah, t'as raison, Lucas, faut pas la noter, celle-là. Un petit peu, quand même. Faut rechercher. Là, faut que ça soit qualité football, tu vois. Qualité de travail, de réflexion, de l'analyse. La subtilité, bordel. C'est ça. Ah clairement. Bah, Olivinho, tu crois que j'ai dit que c'était petit juste pour dire que c'était petit? C'était aussi le but, même si personne n'a relevé. Nourrir le carnet. Faut le feed. Incroyable. Bon, en tout cas, on a l'air de partir sur un 6,5 pour Paqueta, tout comme Toko et Cambi. Et je suis content. Plutôt d'accord avec ça. Nourrir le cornet. Le cornet glace, évidemment, pour Léo Dubois. Alors, si c'est... C'était pas ce joueur-là. Hop là. 6,5 pour Paqueta. Allez, prochain joueur dans le chat, donnez-nous... Prochain joueur. Allez, on prend le premier qui sort. Le premier réactif, le premier qui a la fibre et qui peut le directement donner son joueur. On en fera encore un après, on fera le joueur de Tassour après. Et puis, malheureusement, Lucas Barr n'a pas joué et je sais même pas s'il était dans le groupe, tellement on l'a pas vu. Si, il était dans le groupe. Il est dans le groupe, mais il est complètement boudé par Garcia. Boudé. Dieu mandé. Après, je sais pas. Qui a été écarté du groupe. Ouais, mais pour moi, ça, en termes d'arrivée dans le groupe pro, dans le groupe sélectionné pour les matchs, Bard, c'est à peu près du même niveau que Diomandé. Enfin, en termes de période, tu vois. Du coup, je comprends pas pourquoi l'un a eu sa chance et pas l'autre. Alors que dans les deux, il y a de la demande, surtout, surtout du côté latéral gauche, du côté de Barre. Mais parlons du coup. Un problème avec Garcia. Hein. Peut-être que les deux se sont embrouillés ou qu'il y a une absence de confiance entre les deux qui fait que Garcia le fait pas jouer. Ce serait dramatique. Ça pourrait être quelque chose avec les filles. On sait pas. Tiens. Pour le coup, c'est le même âge à peu près, donc ça se justifie, quoi. Ça se tient. Ça se tient. Bon. C'est pas le même lieu géographique, par contre. Diomandé. Mais ça se tient. Diomandé nous a demandé Olivinho. Diomandé, bah, encore une fois, j'ai bien aimé, de par la régularité qu'il a à chaque match, et puis aussi sa capacité de relance et à bien gérer toutes les offensives de Strasbourg. Hein. Il s'est pris un jaune sur la deuxième mi-temps qui aurait été un peu... Ouais, on était d'accord là-dessus avec Fordinho. Il y a absolument pas faute, le joueur tombe juste devant, Diomandé ne le touche pas, il prend carton jaune, et je pense en plus que c'était sa seule faute du match, si on tend à considérer que c'est une faute, ce qui n'est pas le cas. Donc non, c'est vraiment encore une fois un match convaincant hein, pour Diomandé, seulement 19 ans et il fait preuve d'une
d'une maturité pour un poste qui en demande énormément, qui est impressionnante. Hein, Je rebondis sur le carton jaune de Dumondé. En fait, cette action, elle aurait jamais dû avoir lieu parce que quelques secondes avant, bah, t'as Paqueta qui s'est fait complètement faucher. Il y a ses jambes qui sont parties en l'air. Et il n'y a jamais eu faute. Alors, comment tu veux qu'il simule ça? Alors, je sais pas s'il sait faire des saltos arrière, mais je pense pas que c'est ce qu'il a voulu faire, en tout cas. Et d'ailleurs, là, c'était carton jaune. Hein. Il n'y a pas eu faute, et donc pas de carton, mais il y avait clairement carton jaune sur Paqueta avant. Et au final, évidemment, c'est Diomandé qui se retrouve avec un carton jaune 10 secondes plus tard pour une faute inexistante. Et vu le but que Memphis a mis quelques minutes après, c'était une belle occasion de but qui aurait pu se présenter pour Lyon. Donc, incompréhensible. Et encore une fois, on n'a pas eu la justification de l'arbitre parce que on ne sait pas ce que l'arbitre disait. Peut-être après, réfléchir là-dessus. Ça peut arriver une erreur. Genre, moi je n'ai pas envie de tomber sur l'arbitre. Oui, mais si ça tombe, il a vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. Et donc, ce que j'aime, c'est quand on débat d'un sujet, c'est d'avoir toutes les informations. Et là, juste le fait d'avoir l'arbitre qui est juste mute, bah en fait c'est en mode oui bah tu as vu, tu es la VAR, tu as vu l'action, mais l'arbitre était potentiellement à un autre angle, a peut-être entendu d'autres choses, enfin juste mettez le son de l'arbitre quoi, c'est une info qui manque et qui est tellement simple à fournir et qui peut résoudre tellement de problèmes. On en a assez parlé pour comprendre à quel point on était globalement tous d'accord sur ce point-là. D'ailleurs, je sais pas, peut-être une petite idée de vidéo, pour la fin de saison. Je vais me la noter, tiens. Ce qu'on changerait pour faire un foot meilleur. Voilà. D'ailleurs, dans le chat, alors je sais pas si vous regardez les vidéos qu'on fait sur YouTube, je suppose que oui. Est-ce que ça vous intéresserait ce genre de vidéo un pop-up de 10-15 minutes, on parle sur un sujet en particulier. Voilà. Voir si comment on pourrait nous améliorer et développer un petit peu plus la chaîne YouTube, qui pour l'instant se résume à des audios où c'est une sorte de best-of du coup du stream. Et pourquoi en live? En vrai, en live, on pourrait même faire genre des... La création de la vidéo en soi, je sais pas. Je pense que ce serait sympa de faire ce genre de truc. Alors, faut que vous soyez là, évidemment, mais... Le vidéo, en tout cas, il a l'air chaud. Et Riz aussi. Mais enfin, voilà. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Même si vous avez des... Enfin, si vous voulez nous en parler sur Twitter en DM, n'hésitez vraiment pas. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Donc, Dumondé, la note de Dumondé. On écrit en français Quelle note en français, si tu veux. Bon, Dumondé. Après, on n'a pas encore parlé en espagnol. Si vous voulez, on peut même parler en espagnol. Moi, je peux parler en anglais. On peut... En vrai, si vous voulez parler anglais, on peut ramener les mecs de football anglais et faire un débat tout en anglais. Hein. Moi, je pense. Par contre, le chat, faut qu'il soit en anglais aussi. Hein, pas en espagnol, pas en chinois, en anglais. Hein. En vrai, à parler comme ça, je me demande si je suis pas plus à l'aise en espagnol. Genre, plus certain de mon flow de parole, en fait. Que en anglais? Ok. Par contre, c'est possible qu'il me manque plus de mots en espagnol qu'en anglais, mais que le flow de parole soit meilleur. Par contre, je pense que tu vas être plus seul à parler à parler espagnol, que ce soit sur le chat ou même que ce soit Tekken ou moi, parce que vu Tekken, comme il est resté figé sur le Google Trad que j'ai fait de la question, je pense que on peut repasser quoi. Les non-parlants, c'est mieux en espagnol qu'en anglais pour ceux qui parlent aucun des deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je pense que tu comprends plus de choses
en espagnol si tu parles pas espagnol que tu ne comprends en anglais si tu parles pas anglais. C'est, ouais, c'est les bases de langue qui sont différentes. Ça dépend. L'espagnol, vrai, c'est... L'espagnol, vu que ça parle super vite, c'est assez... Ah assez oui, mais non, mais c'est, nous, on est français, donc on parle pas non plus à 10 000... Enfin... Je parle pas comme à la vitesse d'un espagnol. Ça, c'est vraiment fascinant, l'espagnol. Déjà, en français, je parle pas particulièrement rapidement comparé à beaucoup d'autres au niveau du rythme de parole. Mais sinon, on peut parler en espagnol. En grec, tu parles facilement, toi ? Oula, non. je bredouille deux, trois trucs. Parce que je vois Polydor qui met El Greco de Francia. Du coup, je suppose qu'il parle de toi. Oui, bah, Ferran. Je pense qu'il a mis Ferran pour avoir le côté espagnol, et ensuite côté grec, et ensuite côté français. Donc c'est... C'est parfaitement, c'est il parfaitement est fort. Bien résumé. Polyglotte, notre Polydor. Epsilon, ouais, tu sais dire l'alphabet, quoi. Epsilon, alpha, metagamma. C'est bien, t'as fait des maths. En vrai, moi qui ai fait une école d'ingé, je peux te dire que l'alphabet grec, à force, je le connais plutôt bien. Et si, Tularito. Melvinobado. Titular, si tu veux le dire en espagnol. C'est titular. Titular. Incroyable. Du coup, ça a l'air d'être un bon 6 pour Dumandé. Moi, j'ai voté 6 aussi. 6. Moi, en vrai, même par rapport à la charnière, je pense les deux avoir un 6, ça semble. Ah, moi, je mettrais un petit peu moins à Marcelo. Je mettrais 5,5 parce que le carton jaune débile, ça m'a gonflé. Ah bah c'est la classique où il file une tarte à un mec, hein. C'est il aime bien de temps en temps, ça permet de lui rafraîchir les idées. Tac, du coup on part sur un 6 pour Dumandé. Et en vrai, si tu veux parler de Marcelo comme ça, on le fait au passage. C'est exactement le même commentaire que Dumandé, hein. C'est encore très pertinent. On n'a pas été mis en danger, donc à partir de ce moment-là, les défenseurs, en général, bah, ça veut dire soit qu'ils ont tellement pas été offensifs que les défenseurs centraux n'ont rien pu à faire, soit qu'ils ont été pertinents. Là, on a retrouvé encore un Marcelo qui était bon, hein. C'est 80% de duels remportés et 93% de passes réussies. Donc c'était bien. Pas grand chose à dire sur Marcelo, à part que c'est con d'avoir fait cette petite faute qui lui rapporte un carton jaune qui est un petit peu dommageable, étant donné que Denayer va être absent pour quelques semaines. Donc voilà. Je me suis noté, hein, je me suis donné dans le nom. C'est fou l'impro, hein, je ne parle absolument pas portugais ou espagnol. Mais Tractopelao, ça je connais quand même. Bref. Pour l'instant, première note, c'est un 6. D'ailleurs, il y a eu un coup de coude côté Strasbourg qui n'a pas été pris jaune. Ouais. Il y a eu pas mal de fautes. Par contre, j'aime beaucoup la fin de ton commentaire. On est ensemble. Cohérence sur 20, c'est mon cheval de 3. La cohérence arbitrale, moi, je ne demande que ça. Faites des erreurs, messieurs les arbitres. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Ça peut arriver. Mais faites les mêmes. Mais quand vous avez une situation de jeu à arbitrer, et notamment en plus une situation de jeu où il y a la VAR, ça veut dire que l'erreur n'est plus possible logiquement, soyez cohérent dans les décisions d'un match à l'autre, parce que c'est pas possible que certaines situations soient arbitrées en tombant sur la face pile d'une pièce pour une équipe, et que le lendemain on tombe sur la face du coup de la même pièce. Voilà, ça c'est pas du tout normal. Yes. Oh bah on va être sur un 6 du coup pour ouais Marcelo, on va partir sur un 6. Allez hop, ça part sur un 6. On l'a fait comme ça au passage. Il aurait pas dû prendre son carton quand même. N'est-ce pas? Oui. Carton injuste. Ah non. Non, Marcelo, carton très juste. Non, mouvement débile. C'est Dumandé le carton. J'aime pas Je confonds les deux. Et qu'il faut se réveiller. Ah c'est la fin de soirée là. C'est... En fait, Tekken, il a tellement l'habitude en ce moment pour les matchs de s'endormir pendant la seconde mi-temps que bah là, c'est normalement là, il dort. Là, c'est typiquement le moment là.
Là, tu vois, c'est... il reste 5 minutes. Match affreux. Là, il rompiche. C'est le moment où tu piques du nez, normalement. C'est pas... Sur la fin de match. On se fait un autre joueur ? On se fait un dernier joueur, allez. Je pense Oussem, faudrait peut-être en parler. Bah, ouais. C'était à toi de choisir ta sourde. Bah, Oussem. On part sur un Oussem Aouer. Vas-y. Aouer. Écoute. Je démarre. Oussem, comme je le disais en début de live, j'ai vraiment bien aimé son match. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là, que ce soit offensivement ou même dans les combinaisons sur l'aile, en fait. Enfin, comme on l'avait dit au dernier match, Aouar, quand il était un peu au poste d'ailier gauche... Enfin, même si c'était plus attaquant intérieur, il était très fort. Et il a une capacité d'impact très, 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 très fort. Et son duo avec Memphis, et quand c'est au sommet, bah, ça fait comme le but qu'on avait eu, c'était contre Angers, où la petite louche d'Aouar pour Memphis qui la reprend à la volée. Enfin... C'était pas aussi poussé que ça ce soir-là, mais revoir un Aouar dans cette forme avec une combinaison entre les deux joueurs comme on a eu aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous être très très utile pour la fin de saison. Ouais, on a souvent reproché qu'il fasse trop peu d'efforts à notre goût. On a souvent reproché que ces éclairs de talent balle au pied n'arrivent que trop peu souvent au cœur d'un match, donc une irrégularité au sein d'un même match par exemple, avec des matchs où il transforme, où il était fantomatique durant 90 minutes, mais qu'il avait un éclair à un moment. Et ben là, j'ai trouvé qu'il a été concerné durant pas mal de temps, avec notamment des beaux efforts défensifs au pressing pour sortir rapidement sur les adversaires. Et j'en suis très content parce que c'est un très beau symbole, justement récompensé de cet effort-là avec... Alors je ne sais pas si la passe décisive va être comptée pour lui ou si c'est une passe en retrait mal assurée du Strasbourgeois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clairement directement appliqué sur le premier but, l'ouverture du score. Et je suis très content que ce soit par un apport physique, défensif, qu'il soit impliqué sur ce but-là. Et au-delà de ça, on a eu aussi pas mal de petites combinaisons sympathiques, notamment quand on dominait pas mal en première mi-temps, où on a vu Oussem être assez en jambes, j'ai trouvé ballon au pied, et puis chercher pas mal de combinaisons en une touche aussi avec ses partenaires autour de lui. Il y a une occasion, l'occasion de Kadewere dont je parlais tout à l'heure, où tout est en une touche, c'est splendide, c'est vraiment magnifique, et Aouar est dessus. Donc franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match d'Aouar où j'étais content. Où j'étais content vraiment de la globalité de sa prestation, et ce soir c'était vraiment vraiment sympathique. Je demande que ça, parce que moi, mon petit prince, il m'a manqué. C'est ça, voilà, le petit prince est de retour, reprendre son trône. Ouais, oui, parce qu'on avait tendance ces derniers temps à appeler Maxence Cacré le petit prince, mais non, c'est bel et bien Oussem Aouar, hein, le petit prince du... Ah, moi j'ai jamais appelé Maxence le petit prince. Non, enfin, j'ai vu ça, j'ai vu ça de... Oui, c'est Aouar, évidemment. Évidemment. Le général, c'est Lacazette, évidemment. T'as le petit prince, c'est Aouar. Enfin, chacun son petit surnom. Et donc, pour Aouar, sur quelle note on partirait, petit prince bis? Faut trouver quand même un autre nom. De ouf. Faut se remuer les méninges. Alors, l'héritier. Non, l'héritier, c'est Cherki. Oh, désolé. Bon. Désolé. Et l'héritier de qui, du coup? Ça, c'est une bonne question, ça. De Fekir Aouar. Ok. En vrai, les trois,
C'est la même lignée en fait. Genre, c'est limite le même poste pour les trois, même si les trois peuvent jouer milieu offensif. Même en vrai, but. Enfin, à voir, techniquement, il pourrait même jouer buteur. Je crois sur FM, sur FM, il peut jouer un buteur. Il avait buteur pendant 3 années d'affilée. Il avait MC, MOC et BU sur FM. Mm. Oui, après, s'il part pour 50 millions cet été, en effet. Je dirais pas non plus, parce que c'est un joueur qu'on n'aura pas besoin de remplacer étant donné l'effectif qu'on a déjà. Moi, par exemple, un départ de Memphis, ça me fait beaucoup plus mal dans la globalité de la compréhension de l'effectif, en fait. Dans le sens où Memphis, il faudra absolument le remplacer, et c'est dur de remplacer quelqu'un comme Memphis. Alors que Aouar, au milieu de terrain, on est tellement déjà monstrueux qu'avec le retour de Jean-Lucas en prêt et peut-être un petit peu plus de temps de jeu pour Da Silva, moi j'ai pas du tout peur pour notre milieu de terrain, même en cas de départ d'Aouar. Ah, déjà, de 1, le sondage est disponible, donc. Et de 2, moi je voulais dire, c'est que Aouar, on a vu ces derniers temps qu'on pouvait s'en passer, dû au fait que notre milieu de terrain est très étoffé en termes de qualité et en termes de quantité. Alors que Memphis, toute notre tactique, notre stratégie de jeu est basée dessus. Le fait qu'ils viennent chercher les balles, qu'ils se balent un petit peu de partout sur le terrain, et ben en fait ça casse des lignes et ça permet à notre milieu de terrain et à nos offensives de créer des appels, les différences et de jouer. Sauf que si t'as pas Memphis qui fait ça, et ben on se retrouve comme en début de saison où contre les blocs bas, on n'arrive pas à jouer parce qu'il n'y a aucune différence et c'est une défense statique qui bouge pas. C'est... Je rejoins ce que tu dis du coup, Bernardino. Parfait. C'est bon, tu peux rester ici du coup. T'as le droit. Mon PC va pas crash une deuxième fois pour me contredire, j'espère. Ah, ça part sur un 6,5 hein, quasiment pour tout le monde. Il y a un réseau qui dit après on peut relativiser s'il y a un nouveau coach, il saura construire sans Memphis car il n'en a pas été dépendant. Oui, c'est vrai ça aussi, sachant que on va dire que si Garcia reste, il aura beaucoup plus de difficultés de modifier sa tactique, parce que déjà qu'il n'arrive pas à le faire en cours de saison, des petits ajustements, s'il a un gros ajustement, une tactique complètement à réécrire, ça peut être compliqué pour les performances. Mais... Et oui, on aura besoin d'un joueur de ce niveau-là en C1 l'année prochaine. Disais, hein. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment obligatoire de remplacer un Memphis qui part, alors qu'un Aouar, c'est pas forcément à remplacer. Quoi. Donc on est sur 6,5. Hein. C'est pas mal. Mais moi, j'ai voté 6,5 aussi. Donc, Et peut-être même une place parmi les tops hein, pour ce match-là. Ouais. Réseau qui voulait qu'on parle. Je sais pas. Réseau qui voulait qu'on parle un tout petit peu de Dubois, du coup. Je pense avant de parler des tops et des flops. Dubois ce soir, ça va. On va quand même pas tarder. Ouais. Ben, juste une petite phrase très courte. Pour synthétiser. Bon, il a fait le travail. Dubois dans la lignée un peu de 2021, ça va. Mmh, honnêtement, ça va. En fait, on a un peu passé l'arme à gauche, c'est-à-dire qu'avant on mettait tout le temps Dubois en joue, bah là maintenant c'est Cornet, tu vois. Bon, mais enfin... L'utilisation de cette phrase n'a jamais été aussi juste. Il fait plus autant d'erreurs qu'avant, donc à partir du moment où au moins il gomme les erreurs grossières qu'il faisait. Bah, on est sur un joueur ok, tu vois. Genre, on va pas s'exciter à chaque match, même si parfois il nous pond des buts sortis de nulle part, où là effectivement on va s'exciter un petit peu, mais sinon, enfin vraiment, c'est ok quoi. On a pas grand chose à signaler pour Dubois. Donc en soi, qu'il continue sur cette lignée là, vraiment, c'est parce que c'est. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir une certaine assise à ce poste clé. Donc qu'il continue dans cette lignée-là, c'est bien, c'est positif. Exactement. Mais non, on va pas le noter hein, ce soir. Hop là. Du coup, Olas, bien sûr, il va pas dire au milieu de la saison si Garcia reste ou pas. C'est-à-dire que il veut plus faire une, il c'est veut pas se refaire une QL 2011, hein, ça c'est 2010. De toute façon.
Retenez bien, toute déclaration sur Garcia avant l'issue de la saison est complètement erronée. À interpréter de manière très 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 distancée. Tout à fait. C'est typiquement, là pour le moment, on a le discours de façade du genre c'est, rien n'est fait, ça se passe bien, il pourrait peut-être prolonger, mais c'est du bluff quoi. C'est pas, y a rien de réellement réellement crédible. C'est juste pour éviter, on va dire, une sorte de tempête. Olas va pas dire bon, on a décidé de pas le garder, salut. Il entretient un peu le flou pour garder tout le monde bien soudé, bien uni. Et la décision, si elle n'a pas déjà été prise, je pense qu'elle a déjà été prise, si elle n'a pas déjà été prise, sera prise à toute fin. Dans aucun club, de toute façon, tu vois ça, genre où on dit au milieu de la saison au coach, et en plus où on l'annonce publiquement que il restera pas et qu'il sera pas prolongé. Enfin, dans aucun club, tu vois ça, à part au Bayern avec Jupp Heynckes qui fait le pompier de service tous les 3 ans. Et là, effectivement, on le sait qu'à la fin de la saison, c'est censé être la dernière saison du Jupp Heynckes. Mais c'est un cas particulier, on va dire. C'est pas une règle. En général, les coachs, on leur dit. Enfin, à aucun moment on dit au milieu de la saison il va pas rester. Enfin, genre, c'est pas le moment de se poser la question. La conséquence de ça, c'est que ce serait du perdant pour tout le monde. Donc pourquoi le faire? Ouais, en fait, c'est de la concentration qui n'est pas focus sur le match. Du coup, c'est du perdant pour tout le monde, comme tu dis. Il nous reste 5 minutes. Du coup, vu que... Enfin, je vois, on parle un peu d'Olas et du coup, ce qui a été dit pendant le documentaire d'RMC sur Olas d'hier. Vous l'avez trouvé comment, ce documentaire? Je suppose que vous l'avez tous vu, en tout cas vu les trailers qu'il y avait pu avoir. Alors, les 20 premières minutes étaient absolument très intéressantes jusqu'à ce que je m'endorme et que je ne me réveille plus. Mais honnêtement, ça a très bien démarré. Je vous fais confiance pour la suite, mais ça a bien démarré. Court, mais plus qu'intéressant, sympathique. Pas vu pour Lucas, super. Il devait dormir comme ça, il t'accompagne. C'est ça. Moi, j'ai vraiment adoré voir... Enfin, en fait, voir Olas avec ce regard-là, c'est très peu courant. Je crois pas, d'ailleurs, qu'il y a eu... Une interview, si on peut dire, appeler ça une interview, mais où il se livrait autant que ça. Et ça permet de un peu plus comprendre l'homme, l'histoire qu'il y a derrière, et puis la personnalité aussi de Jean-Michel Aulas, qui est quand même... c'est quand même grâce à lui qu'on doit tout, hein. Faut pas l'oublier. Oh, belle info chat. Lance Rennes 0-0. Oh, et Red s'est pris masse carton. Hein. C'est ouais. Bien, ça. 4 c'est cartons, bien. Dont pour Mawasa, Traoré et Kamavinga, donc ils sont quand même des joueurs importants. Ouais. Sachant que Lyon récupère Rennes dans... dans un mois pile, mais dans 3 matchs. Donc Rennes va peut-être se choper quelques suspendus. Toujours sympa. C'est toujours sympa. Et Rennes qui a un match de retard. Hein. Rennes qui cale un peu dernièrement. Oui. Depuis nous, en fait. C'est bien, je suis bien content qu'on les ait mis dans, dans la panade. On aura déréglé la machine. Pourtant, on avait fait un match catastrophique, mais... mais on l'a gagné. Non, 2-2. Ah merde, c'était 2-2. Ok. C'est Lens qu'on a gagné. Oui, c'est Lens avec le... En ayant eu beaucoup de mal sur les 20 dernières minutes. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool. Et en vrai, en différence de but, on est devant Lille. Hein. On est à plus 5 par rapport à Lille. Ils ont pas joué. Oui, mais enfin, même s'ils jouent, faut qu'ils mettent un 5-0 pour. C'est Nantes. Oh, Nantes D'ailleurs, en parlant de Nantes, est-ce que Nantes a déjà gagné depuis que Domenech non. est à bord? Non. 6 matchs sans victoire depuis qu'il est là. Avec, je crois, un truc du genre 3 nuls, 3 défaites. 4 nuls et 2 défaites. C'est très très grave quand même. Après, ils ont joué Rennes, Montpellier, Lens, Metz, Monaco, 5 équipes quand même du top 10, et Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne c'est nul, mais voilà. Donc, allez, à décharge de Domenech qui se récupère des équipes pas simples ici pour regarder la suite. Lille, du coup, demain. Angers, équipe du top 10. Marseille, équipe du top 10.
Et ce sera seulement fin février que Nantes jouera Nîmes, du coup. Peut-être son partenaire de 18e place, qui sait. La vraie question, c'est est-ce que Domenech va finir la saison sur le banc de Nantes ou sur le banc de l'équipe TV? Ah, bien joué. Bravo. Je pensais à la vanne en même temps que tu la faisais. Merci, Paul. De Saint-Sernin, pour ceux qui n'ont pas la ref. Le fameux. Et il était où, lui, de Saint-Sernin avant cette année? Parce que je découvre son nom cette année. C'est un humoriste. D'accord, ok. D'ailleurs, en parlant de téléfoot, c'était le dernier match de l'OL sur téléfoot. C'est... RIP. C'est terminé. On va repasser sur Canal avec le petit jingle. Avec les camions régis de téléfoot. Ah ouais, quand même. Apparemment, Canal aurait demandé à Mediapro d'avoir leur camion régie parce que du coup, ils n'ont pas assez de camions régie pour faire l'intégralité des matchs sur une journée. En même temps, ils ont tellement, tellement de matchs à couvrir. Ils ont la APL, la Ligue 1, la Ligue 2, du coup, aussi. La Ligue 2, je crois, il y en a pas mal qui est à Bein Sport. Ah, c'est toujours... Ok. Le jingle, pour moi, il est mythique, ce jingle. Il est incroyable. Genre, juste, tu l'entends, tu penses au multiplex. Ça, c'est de la bonne, du bon marketing. Bon, voilà, je pense qu'on va se laisser petit à petit. Ouais. Merci à tous d'avoir été sur le live. Il y a eu beaucoup de messages sur le live. Et comme promis, j'ai le classement des top chatters de football. Roulement de tambour. Et je peux vous dire que le podium a changé. Le podium a été modifié. Ah, je sais pas, Rezo. À ton avis, tu penses que t'es toujours premier? Est-ce que tu penses que t'es toujours premier? Tu ne l'acceptes pas? Les trois du podium sont ici. Et c'est le moment de donner la réponse. Alors, il faut que je retrouve. Mince. Quoi? Oui. Pas ça. En tout cas, genre un petit truc. Vous achetez un petit truc sur la boutique ou tout ça, envoyez-nous un petit DM si c'est pas en live et tout qu'on sache. En vrai, moi même, ça m'intéresse. Publier la photo sur Twitter, quoi. C'est exceptionnel. Ouais. On la RTera sur le avec le compte. Et tac. Ah, faudra changer. C'est Mendes et pas Guimarães par contre dans la compo. Oui. Mais attends, je vais modifier. Attends. Bon, on le fera après. Tac, tac. Hop là. Temps de visionnage, hop là. Il y a des chances que tu sois premier. Là. Oh, bah, et Rizou premier, Olivine. Bah si, Polydor est passé troisième du coup. Il y a juste eu une inversion. Rizou est quand même largement devant, on va dire. Limite un plus 40. Plus 40 devant. Et oui, tu parles espagnol hein, quand même. C'est le sud de Ronaldo. Yes. Et Olivinho qui passe deuxième, incroyable. D'ailleurs, c'est le... Pour info, le bruit de Ronaldo là qui fait quand il fait c'est comme ça qu'on dit. Alors attends, c'est comme ça qu'on dit 4 en chinois. Voilà, ça m'avait fait rire quand j'avais appris ça. C'est que... Exact, oui, j'ai fait du chinois il y a 2 ans et effectivement on disait ça en chinois quand elle nous a appris le truc. C'était genre un mois après que Ronaldo avait fait la première fois le truc.
Et du coup, genre, elle nous a appris ça, la prof, et genre, tout le monde dans la salle a fait « Oui !» C'était drôle. En vrai, c'était drôle. Est-ce que vous connaissez un streamer à Red pour cette fin de live, qu'on vous laisse quand même quelque part? Bah oui, mais du coup, si vous en connaissez pas, si vous en connaissez un, pardon. Bah, c'est Mélétienne qui est là. Je sais pas si on a... Attends, c'est les... je sais pas si on... Si y a on un streamer de la Juve. Ouais. Un francophone. Ok, bah on peut aller là-dessus. À moins que dans le chat vous avez des idées. Sinon, tu mets-le dans le chat. Comme ça, je copie-colle. Son nom, c'est ça. Ça marche. On va lui faire un petit coucou. Ok, bah... Centaine, putain. 112. On va lui faire un petit coucou. 112 à cette heure-là, quand même, c'est bien. C'est pas mal. Le monsieur gère. Oui, il a 102. Ok, bah écoute. Alors... Maintenant qu'on a trouvé la cible, donc on vous rappelle, quand on arrive dessus, on spam les logos football quand même, tout de même. Maintenant, faut je sais que... pas, je sais pas si ça va être judicieux à faire, mais bon. Rien à faire. Peut-être juste l'occasion d'en faire, hein, quoi. Alors. Amine PJ. Je vais mettre le son. Je sais pas si vous l'aurez son live. U23. Tac. Spam. lancer le raid. À quoi? U23. Ouais, ouais. Ok. Et puis, bonne soirée. Et puis, on se retrouve du coup. C'est mardi? Mardi soir? Pour le match de Coupe de France? Ajaccio, 32e de finale de Coupe de France, à domicile encore. Et ensuite, samedi, ce sera encore à domicile contre Montpellier, ce coup-ci. Allez, c'est... Okay. C'est bonne nuit. Allez, bonne nuit à tous. Allez, à bientôt. Chou. Et salut. Ciao à tous. Et puis, on se retrouve spammé. Hein. Je vais spammer aussi sur le truc. A plus. Ah, Dybala, 10, je vais te retaffer le fichier. Donc voilà. Non mais c'est resté. Il écrit faux là. Pourquoi il écrit faux? Merci beaucoup.